C'est le slang de Montréal. C'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase. Vous savez, les bijoux, ça fait partie du story pack d'être un rappeur. Bracelets, chaînes, pendentifs, des grills, une bague de fiançailles, peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure. Chez le top bijoutier en ville, Bijouterie Jamil. Allez les checker, ils ont deux localisations, dans le cœur du plateau et un à Rosemont. Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE. N'oubliez pas de suivre leur page Instagram @JamilJewelry. Investissez dans votre swag avec de l'or. Il y aura toujours une valeur de revente. Yeah, what up, il y a une autre émission de Rap Politique, je suis Monsieur de Montréal. C'est bon, KK. Shout-out à We Munch, qu'on a les munchies. We Munch. Donc, je sais que je le dis à chaque fois, mais aujourd'hui, c'est for real. On a un gros guest aujourd'hui, man. Une légende de chez nous. Le pionnier du rap québécois. Mm. Le parrain du rap québécois. Mm. On va faire du bruit pour... SP, sans pression! Yes, yes, merci. Man. Merci thanks, d'être guys. Là, bro. Shout out rap politique, on est là. Man. Ouais, on est là en dernier, par contre. Il y a fait non, premier y a char qui s'en commence voit. Avec ça. Laisse-moi donner mon temps. Non, y a pas t'es dernier. Allé attendre un jujube. Oh. T'es allé à. Shout out à DJ Crowd. Shout out DJ Crowd. J7, what's good? Ouais, J7, what up? T'es allé le Bless Moment of Truth podcast. Mm. Yeah, yeah, shout out to Bless. Il me semble que t'as fait 11 MTL. 11 MTL, j'y étais. Exactly. Yo, je gardais le meilleur pour la... Oh! Bravo! J'avais pensé à ça, la réplique. OK, bravo. C'est bon, ça. La réplique des offusqués. La réplique aux offusqués, yo. OK, fait que, mais merci d'être là, bro. Le grand frère est venu voir le petit frère. Big c'est love, officiel. Man. On yeah, est man. Là, bro. Ça fait plaisir d'être ici, man. Fait qu'on va faire un survol de ta carrière, parce que t'as une longue carrière quand même. Yeah. Je pense que t'es le rappeur qui est resté actif tout le long de sa carrière. Parce qu'il y a beaucoup qui disent « Oh, je suis là, ça fait 10 ans. Je suis là, ça fait 20 ans. » Mais ils ont disparu comme la moitié du temps. Mm. You know, toi, t'es resté quand même dans notre face. Consistant, ouais. Consistant yeah. pendant plus de 20 ans. Il y a du monde qui sont tannés de voir ma tête, mais je suis encore là. Mais t'as encore quelque chose à dire, puis je l'entends. Fait que juste pour confirmer, toi, il me semble que t'es né aux États-Unis, toi? Yeah, je suis né à Buffalo, New York, 1976. Straight up! Yeah. Fait que t'as un passeport américain aussi? Ou? Yeah, j'ai mon passeport américain aussi. Straight up! OK, t'es bon, là! Yeah, toi, t'es bon. Toi, tu peux aller aux États-Unis. Ouais, je suis pas allé aux États-Unis. Plutôt. He has a green card. He could go work there, anything. Yeah, I could go to the States anytime. Fait que, ouais, et puis vous êtes quand même une grande une famille congolaise. Yeah, famille congolaise. Mes deux parents sont congolais, sont venus aux États-Unis, je sais pas trop. Mes deux grands frères sont nés en Afrique. Mm-hmm. Ah ouais. C'est Missouri. Ouais, Missouri. Puis mon autre grand frère, rest in peace, Roland. Eux sont nés en Afrique. Moi, je suis né aux États-Unis. Vous étiez combien? On était cinq. Cinq enfants, hein? Yeah, j'ai mon petit frère puis ma petite soeur aussi. Straight up, real African family. Yeah, man. So, Sangonini. Yeah, man, love. Non, tu me réponds. Moi, je vais tester ton Lingala. Sangonini. Ça va pas pire, man. C'est sans goûter, c'est censé dire non. Toi, ton Lingala, il est comme ci, comme ça. Est-ce que tu parles Lingala? Non, je parle pas Lingala. De temps en temps, j'ai des petites affaires ici, puis ça, des petites phrases qui sortent, mais je parle pas. Je peux pas dire que je parle la langue officielle, tu sais, parce que comme quand on est arrivé aux États-Unis, mes parents, pour eux autres, c'est comme, il faut que tu apprennes la culture des États-Unis. Il faut que tu parles la langue des États-Unis, les mentalités des États-Unis. Mm-hmm. Puis comme, mais ça switchait vite parce qu'après, je pense que mes parents pensaient rester aux États-Unis. Puis après ça, ils ont décidé de venir au Canada. Mais ça a été vite, ça. T'avais quel âge quand ils sont venus? J'avais 4 ou 5 ans. OK, quand même. 4 ou 5 ans. C'est ben comme, même à 5 ans, quand t'as commencé toute ta vie en anglais à 5 ans, puis là, t'arrives ici, puis là, tu commences l'école en français. Tu vois, c'est mes premières années à l'école, ça a été très dur, tu sais, parce que je parlais... Je parlais pas français 0-0, là, tu sais. Fait que là, mes grands frères, que eux, c'était des anglophones, des États-Unis. Ouais. Eux, maintenant, il fallait qu'ils m'apprennent le français. Il fallait qu'ils me parlent en français. Parce que quand on est déménagé ici, là, mon père, il a switché, puis il a dit à mes grands frères, parlez-leur juste en français. Il faut qu'ils apprennent le français, parce qu'il faut qu'ils aillent à l'école française. Tu vois, puis mon grand frère, Missouri,
lui, il a toujours boycotté un peu le français parce que ça l'a énervé, ça. Mmh. Tu vois, parce qu'il est arrivé ici, puis là, lui, il était déjà ado, tu sais. Ouais, là, il a fallu qu'il a cavalier la salle à des écoles français, man, yo. Fait que mon grand frère, jusqu'aujourd'hui, je parle juste en anglais. Ah ouais? Mais je parle juste en anglais. Yeah. C'est pas naturel de parler en français avec lui. OK. Mais je sais que tu rappes aussi Saint-Bruno. Toi, c'est là que vous avez atterri? Yeah, ou... Non, on a atterri à Sherbrooke en premier. Ah, yeah, that was the story, yeah. Ouais, j'ai resté à Sherbrooke peut-être 2 ou 3 ans. Après ça, c'est à Ville-la-Salle. OK, Westside. Yeah, Westside, Ville-la-Salle. J'habitais à Ville-la-Salle une bonne partie. C'est là vraiment que j'ai commencé à faire du hip-hop. C'est là que j'ai commencé à faire du breakdance à Ville-la-Salle. C'est comme à Ville-la-Salle que j'ai découvert l'hip-hop. C'est comme... C'est là que K-Spaz est créé. K-Spaz a commencé. K-Spaz, j'étais dans... C'est moi, là, avec mon autre cousin, les créateurs de Comatose. Mm-hmm. On était les plus vieux. Là. Après, on a donné ça aux plus jeunes. Puis c'est eux autres qui sont devenus Comatose. Mais, okay. Mais j'étais dans Comatose. Moi, c'était K-Spaz. K-Spazum, là, mais comme tout le monde m'appelait Spaz, puis je rappe en anglais, ça c'est en 89, 91, jusqu'en 95. OK. OK, mais t'as fait ton temps quand même, Montréal, à la salle, avant de bouger, parce que quand même, toi, on peut se le cacher, ton père, c'est quand même un gars diplômé qui travaillait dur, il était un gars très doué, intelligent. Mon père, c'est qu'une grande inspiration, parce que mon père, tu vois, c'est quelqu'un qui est parti il est parti du Bercail très jeune. Il est parti de chez eux, si je me trompe pas, entre 10 ans et 13 ans. Il est parti, il a dit, je vais réussir, tu sais, puis il est parti. Puis il a fait plein de choses pour se rendre jusqu'aux États-Unis et tout ça. Puis comme, c'est comme, j'ai vu mon père struggle toute sa vie, tu sais, pour se rendre où est-ce qu'il est aujourd'hui. Fait que, man. Yeah, real talk. Fait qu'ensuite, toi, t'as déménagé à Saint-Bruno, le Black de Saint-Bruno. Yeah, man, on a terrorisé la ville de Saint-Bruno. T'es à peu près... on était une petite clique là-bas, tu vois. C'est dans le temps où est-ce que Nirvana, Metallica... Ouais. Puis c'était beaucoup comme les preps, les yo, puis les pouilleux. Les pouilleux. Les pouilleux, c'était les gars avec les cheveux longs, qui avaient Megadeth et tout. Puis il y avait les skinheads aussi, et non, c'était toute cette era-là. OK, ouais. Et non, puis, man, on était une petite clique de... On n'était pas beaucoup qui écoutaient du hip-hop à Saint-Bruno. Là. Moi, j'étais arrivé là, j'avais déjà du Comatose dans moi. J'étais comme un gars hip-hop, là, comme... Puis c'est ça, man, j'ai spread le shit sur une couple de partenaires, puis on était tous ensemble, là. On était à peu près 8 ou... Entre 8 et 15 partenaires sur 3000. Sur 3000 élèves qui écoutaient du hip-hop. Straight up! Comme les gars hip-hop, on n'était pas plus que 25 sur 3000. Comme les spectacles de variété, vous en faisiez à l'école? Ouais, on en a fait un. Le spectacle s'appelait Agora Rock. Okay. Agora Rock, je me rappelle... Il y avait un show à l'école secondaire, puis comme il fallait performer whatever, fait que j'ai été voir les gars, puis là, c'était un matin-là, il y avait une couple de gars qui essayaient de spit un peu, tu sais. Fait que j'ai dit, on va faire le show, on fait le show, ça s'appelait Agora Rock. Puis personne n'avait de rhymes ou rien, tu sais. Fait que j'avais un gars qui chantait en anglais, du reggae, un autre dude, c'est ça. Je suis rentré chez nous, j'écris à peu près 12 verses. J'étais fou dans le temps. J'écris à peu près 12 verses. Un verse reggae, un verse ci, un verse ça. J'étais arrivé là, le matin après, j'ai donné ça au partenaire. J'étais comme, il faut faire ça, man. Puis comme on a pratiqué. Puis hier, c'était un des premiers shows. On s'est fait huer et all that shit, man. Le monde n'a pas aimé ça. L'histoire commençait tellement bien, mais on s'est fait huer, man. Shit went really bad, man. Yeah, c'est ça. Je commence bien, finis mal, man. Yeah, man, moi, on n'était pas content, mais ça a créé quelque chose. Puis à partir de là, c'est comme, on commençait à spit. Il n'y avait pas vraiment de... on pensait pas... Moi, en tout cas, je pensais pas faire ça vraiment, tu sais. Mais comme, j'aimais ça, tu sais. Fait qu'à l'époque, c'était ça. Je sais que... quand... c'est qui était venu? Le tonton... Stratège est venu. Il en avait parlé un peu, parce que lui, au cégep, il allait au cégep, il connaissait ton frère, puis toi, t'étais le petit frère qui wanted to get in the game, puis des fois, tu prenais son gear aussi, les trucs.
Ouais, fait que ça, ça t'a aidé, vu que le grand frère, il rappait. Ça, ça t'a aidé un peu de, pour rentrer dans le game, ce qui a commencé. Non, à Villa Sage, j'arrivais chez nous, je voyais mon grand frère avec un paquet de partners, man. C'était freestyle outside, puis c'était comme... C'était that real shit, man. You know what I'm saying? Like, yo, les jeunes, ils pouvaient pas, quand même si t'avais des bars, là, t'osais pas, yo. Yeah. Like, j'osais pas, man. Ça a pris du temps avant que j'ose... Comme, ça, y avait, c'était ça dans le temps aussi, on... C'était, ça se passait pas caché chez vous ou je sais pas, comme on découvrait pas le monde avec un vidéo YouTube, mettons. Non, ça, non, je veux dire. Comme comme Zazen, justement, l'extrémiste. La première fois que je l'ai vu, c'était en show, man. Puis c'était vendu right away. J'étais comme, yo, this nigga is ill, man. He's like, right, raw shit. Yeah. T'sais, puis comme la plupart des... Même toi, je pense que la première fois, ça doit être en show, mais comme... Tu te rappelles, les shows locaux étaient jam-packed, man. Quand j'ai l'occasion, j'ouvre ma gueule, je brise un micro. C'est le nom de Dilo, Incognito. Yeah. C'est sûr, je dois te quote ici et là durant la soirée parce que je pense que t'es le premier quotable, rap quotable, comme de l'histoire, comme que les gens connaissaient les paroles en masse. Il rap ici? Lui. Comme les gens qui connaissaient ses paroles. Domatique, ça. Mais Domatique, c'est comme un track. Arrête. Toi, c'est un album. Fais pas ça. Ok. Fais pas ça. Shout out à Domatique. Domatique, c'est une des raisons que j'ai commencé à rapper en français. Je connaissais, là. Peut-être que j'aurais pas rappé en français, j'aurais pas entendu Domatique. For real, hein? Straight up. Puis, c'est comment t'as connu Vonvon dans ce temps-là? Yo, te rappelles? Check it out, man. Vonvon, pour vrai, c'était, on s'aimait pas pantoute au début. Okay. On était pas pantoute des boys, moi, puis Vonvon. Okay. Man. Il y a même eu des beefs qui ont été très loin avec Vonvon. Mais comment ça a commencé avec Vonvon? C'est que moi, j'habitais à Saint-Bruno. Puis j'avais un boy, Arcel Lasource, qui lui, il chillait à Longueuil, mais il venait à l'école à Saint-Bruno. Peut-être ça avait fait de foot dehors de l'autre école, je sais pas quoi. Puis je rappais, puis comme... Lui, il venait de Longueuil, chaque fois qu'il venait à l'école, il disait, yo, Vonvon, ils vont crever, manana. Puis moi, je disais toujours, yo, moi je suis le king de la Rive-Sud, tu sais, dans le temps. I'm the king, man. J'étais comme, c'est moi le king de la Rive-Sud. Puis là, lui, il a retourné à Longueuil. Yeah, puis, glorieux, il le allait spicer le patin. Il allait tout le temps faire ça, puis c'était comme ça tout le temps, là. Fait que quand on se croisait, c'était jamais bon. Il y avait l'ego qui était là. Il y avait trop d'ego, puis on avait trop d'ego, on était jeunes et non là. On a fait des battles. Il n'y a jamais eu de gagnant dans nos battles. Wow. Il n'y a jamais eu de gagnant parce que je pense que ça aurait été trop chaud. Là. Fait que comme il n'y avait jamais de gagnant. Moi, puis Vonvon, quand on faisait un battle, je me rappelle pas d'une fois qu'il y a eu un gagnant. Straight up. Comme si c'était trop chaud, man. OK, you guys would go at each other, like, rap, bar for bar. Yeah, like puis à un moment donné, Cédric, quand on a parti avec Montreal. Cédric Morgan. Yeah, il faisait sa mixtape, Too Hot to Handle. Ouais. Puis il est venu me checker, bagaille, puis j'étais comme, yo, ça me prend des poids lourds, là, comme on fait un shit, puis comme j'ai checké, Vonvon. Puis là, parce que là, c'était rendu plus sérieux. Là. C'était rendu déjà plus sérieux pour moi. Là, comme... Dès que le monde a commencé que j'ai vu que le monde m'écoutait, parce qu'en anglais, je l'ai fait longtemps, and nobody was listening to me, man. Nobody gave a fuck, yeah, man. Exact, for real. Like, comme... Le monde s'en foutait, man. J'ai dit deux bars en français, puis c'était fini. Là. Yeah. Je me suis tourné, j'ai regardé les gars de Kamotos, puis je pense qu'ils l'ont vu dans mes yeux, man. J'ai fait deux bars en français, puis c'était fini ma carrière en anglais. T'as dit « fuck that ». Non. Je dis « oh shit, all right. This is where I'm at, man. » T'sais, comme, parce que je prenais le temps souvent d'écrire, puis j'aime pas ça waste comme mon temps. Je veux que le monde m'écoute, moi. Je sais qu'aujourd'hui, les jeunes veulent turn up et all that, mais comme moi, je veux que le monde m'écoute, tu comprends? Fait que comme c'était important pour moi. Puis quand j'ai vu qu'en français le monde m'écoutait, après ça a juste pris une coupe de monde qui me fasse relate comme KCLMNOP, quelques joueurs, puis comme des Dogmatic, oh they selling units, yo, Don Carnage, rest in peace, on TV, man, participation every day.
partner fait à peu près 200 ou 300 shows en un an, man, avec cette affaire-là. J'étais comme, damn. Puis tu vois, c'était rare que tu voyais des blacks à la télé en train de faire des choses positives dans le temps. Ouais, ouais. Et lui, c'était participation, you know what I'm saying, pour encourager les jeunes à être actifs, puis faire des sports, bagailles comme ça. Fait que, tu sais, yeah, man, c'est ça, on était là, man. Avant de continuer, je dois vous parler de notre sponsor fidèle, l'Atelier Duo de Chef. Oui! Situé dans l'est de la ville de Montréal, you already know. À Rivière-des-Prairies, mac and cheese, crevettes papillons, les poutines au griot, poutines au poulet, comme vous voulez, allez commander tout de suite sur duodechef.com. Utilisez le code promotionnel rapolitique et vous allez avoir un rabais sur votre commande. Oh là là! Hein? La grosse bouffe. Vraiment intéressant. Est-ce que vous voulez un Wee Munch? Avant qu'on continue, là. Wee Munch? Drink. À côté, là. Ça? Non, l'autre. This one. Ouais. Cherry 7-Up. Yep. J'ai pris un bail framboise, saveur framboise, oasis. Et là. Quand tu vas prendre quelque chose, je vais t'envoyer quelque chose, tu peux... Ah oh, là, j'ai un 7-Up fucked up ici, c'est... Ah, OK, tu l'as, OK. Shout out à Wee Munch, man, qui nous garde hydraté. Grapefruit flavor 7-Up. T'as jamais vu un bagaille comme ça de ta vie, il nous garde bien hydraté quand on râle. Hydraté, mon gars. Prêt à mourir, y'a. Prêt à tuer. Hostile, sauf quand le buzz est allumé. Shout out, on a du Loud Village. J'en ai un nouveau ici, du Hi-Fi. On est sur du Garlic Sherbet. Aujourd'hui. Yo, passe-moi le. C'est quoi celle de dire, ça? C'est quoi? Le garlic sherbet. Garlic, the hi-fi. Ça, c'est pour éloigner les vampires, G. Moi, je pense que c'est du exotique. On parle du designer par ici. OK. Straight up. Fait que là, on est rendu toujours au début de l'histoire. Et puis, c'est sûr, t'as aussi connu T-Kid quand t'étais jeune, c'est Saint-Bruno. Yeah, man, shout out, man. Yeah, you guys connected. Et puis, c'est là que, tu sais, on va fast-forward un peu sans pression. Puis, il y a eu le show de Wildland. Yeah, Wildland, I make you famous. Toi, t'es arrivé en retard au soundcheck. Je sais pas pour ça, man. Je me rappelle. How about that, man? Elle m'a dit, t'es arrivé en retard. Les gars, j'allais back sur toi. T'as dit, non, yo, je vais freestyle. Laissez-moi, je vais freestyle. Je peux freestyle. Mettre un beat. Ils ont mis un beat. Apparemment, t'as freestyle au soundcheck. Puis ils étaient tellement impressionnés. Ils ont dit, ton freestyle était mieux que les gens qui sont venus vraiment avec préparé, un set là. Préparé, là. Ah, c'est du love, man. Je suis content parce que, tu vois, il y a des affaires. Il y a des choses que je me rappelle pas, tu comprends? Fait que c'est comme, si tu me dis ça, c'est yo, love, man. Mais c'est drôle parce que I ran into Larry de Wildland. I ran into him, puis c'est lui qui me disait ça. Sans même savoir que t'allais venir, je sais pas comment on a parlé, parce qu'ils ont parlé de l'émission, puis il m'a dit, yo. Puis jusqu'à présent, il se rappelle de ton soundcheck. Yo. Anyway, apparemment, tu l'as vraiment détruit. On avait faim, on avait faim, tu vois, comme... On n'était pas habitué de performer devant des vrais crowds ou des affaires comme ça, tu sais. Fait que, comme, j'étais encore hyperactif jusqu'aujourd'hui, yeah, tu sais. Yeah. Dans ce temps-là, j'étais comme, c'était fois mille, là. Yeah. Puis je vois qu'il y a une foule, puis je vois qu'il y a des femmes, puis je vois qu'il y a... Yeah. It's a young SP, man. Mais t'as grandi dans le... Mais toi, chez toi, est-ce qu'ils étaient stricts? The boy hungry, man. Ils étaient stricts chez toi? Tu mangeais du bâton, des trucs comme ça? Ouais, comme... ils étaient stricts, mais je m'en sortais bien pareil. On sait, comme je vais toujours me rappeler comme la première fois que mon père m'a fait confiance, man. C'est parce que mon père, il était comme, ah, yo, lui... Moi, mon plus grand frère, on était tannant, tu sais. Mais la première fois qu'il m'a fait confiance, j'étais avec mon petit frère. Puis ma petite sœur était bébé, là. Elle était bébé, tu vois. Puis, yeah. Puis là, mes parents, il fallait qu'elle aille quelque part. Puis il fallait que je garde ma petite sœur. Elle était bébé, là. Je me rappelle, il fallait que je garde ma petite sœur, puis j'étais avec mon petit frère. Puis mon petit frère, il était square, man. Il était straight, lui, comme il follow the rules, you know? Et puis mon petit frère, il était straight, man. Puis comme, là, mes parents sont partis. Je jouais avec ma petite soeur, nanana.
Parce qu'il savait, moi, ma petite soeur, je la protégeais, mm-hmm. man. Shout out à ma petite soeur, man. Mm-hmm. Jusqu'à aujourd'hui, c'est celle dans ma famille que je parle le plus avec. Okay. Et ma petite soeur, c'est elle que je suis, que j'ai, en tout cas, you know what I'm saying? Yeah. Fait que, dès que mes parents sont sortis de la maison, man, j'ai endormi ma petite soeur. Comme elle était fatiguée, fait qu'elle elle s'est endormie, je l'ai mis dans son affaire. Puis j'ai regardé mon petit frère, je disais, on s'en va, genre, on chill ou quoi? On s'en va chill, man. On s'en appelle les partenaires, on s'en va. Non, n'importe quoi. J'étais jeune, puis j'ai laissé ma petite là. J'ai laissé ma petite soeur là, puis je suis parti, là. Puis mes parents sont revenus, il faisait noir quand ils sont revenus, là. Yeah. J'étais encore dehors avec mes partenaires, mais ça, sur ma rue, tu sais. Yeah. J'étais sur ma rue, j'étais pas sur notre rue. Yeah. Sa rue Daigneau à Ville-la-Salle. Puis là, j'étais en bas de la rue, man. Je me rappelle, man, puis j'étais avec mon petit frère, puis là, mon petit frère, il était comme ça, puis parce qu'il a vu l'auto à mon père rentrer dans le parking, man. Shit. Puis moi, on était loin, puis j'ai vu mon père sortir du char, man, avec ma mère, man, avec du McDo pour nous autres, man. Oh, shit. Pour me dire merci. Nous autres, du McDo, on devenait fous, yeah, man. Yeah, ben oui, t'avais ouais, du yeah. McDo, G? Yeah, yeah, yeah. Et on devenait fous. Yeah. Fait que c'était rare. Fait que, tu vois, quand il... Puis là, moi, j'étais des... Même moi, j'étais comme, ah, yo, on va prendre du bâton. Mm. Et on est rentré, on a pris du bâton. Et pas de McDo. Non, ils vont quand même te nourrir, mais ils vont donner un bon bâton. Tu sais, qu'est-ce qui est fucked up de cette fois-là, man? C'est parce que j'ai regardé mon petit frère, j'ai dit, viens, on va prendre des licks. Comme, puis mon petit frère, il pleurait déjà. Là. Ouais, quand tu pleurais. Il pleurait déjà. Puis là, j'étais comme, on s'en allait vers la maison. Puis moi, j'étais genre, moi, j'assume qu'est-ce que je fais. Yeah. Fait que je suis rentré, je dis, ah, il m'a foutu une calotte, puis j'ai resté comme ça. J'ai même pas pleuré. Puis mon petit frère, quand il m'a foutu une calotte, mon petit frère, il a crié. Puis je suis parti à rire, man. Je suis parti à rire, yo. Puis ça a énervé mon père, j'ai. Yeah, ben oui. Ça l'a énervé. C'est pas qu'il y a drôle, tu sais. Il a pas trouvé. Moi, je suis parti à rire, j'ai. Mm. Mon bras, il a claqué la porte, puis je continue à rire à mon petit frère, mais comme ça. J'avais une tête de cochon, j'ai. J'étais jeune, man. T'es jeune. De... Mais toi, t'avais gradué ton secondaire, t'avais fait un peu de cégep. Cégep avec. J'allais là avec Yuri. Je me rappelle, j'étais. Rayman? Maisonneuve, yeah. Okay. Je croisais une couple de patins. Sa Majesté l'intrus aussi, je le croisais là-bas. Okay. Yeah, Maisonneuve, yeah. Yeah, Maisonneuve. Parce que c'est sûr qu'une, surtout une famille, une famille africaine, ça prend ça au sérieux, l'école, l'éducation. Ouais, c'est sûr, man. Fait c'est quand sûr. T'as arrêté, quand il t'a dit, OK, tu dois travailler, sinon sors de la maison, ou? Non, mais c'est parce que j'allais au cégep, puis mes parents, ils payaient mes passes d'autobus, puis toutes mes affaires, puis comme, ça faisait un an que j'allais au cégep, ou je sais pas combien de temps, à un moment donné. Puis une fois, comme, j'avais commencé à faire du rap. Mm-hmm. Puis la raison j'ai lâché l'école, c'est fucked up. C'est parce que je pense que j'avais fait quelque chose qui avait rapport avec mon rap au début, whatever. Mm-hmm. Puis j'avais pas eu le temps de, comme, je pense, étudier pour un examen. Puis il y avait un gros test ce jour-là au cégep. Puis comme, je suis rentré ce jour-là, puis comme... Je savais que je pouvais pas faire l'examen. Donc, c'est genre des examens qui te posent trois questions, là, and you got, like... Oh, OK, breakdown. Tu break down, là. Yeah. Fait que j'étais arrivé en retard, premièrement. Le prof m'a donné l'affaire. Puis je m'ai même pas assis. J'ai regardé le prof. J'ai dit, madame, je peux pas le faire. Elle dit, tu t'assois, puis tu fais ton examen. Mm. Fait que je me suis assis. Puis pour vrai, je m'assis, puis j'ai essayé de, comme... C'est d'être creative, man. Comme make up some shit, man. J'étais pas capable, man. Les questions étaient trop intenses. Il y avait trop de lignes à remplir. J'étais comme, yo. Fait que je m'ai relevé. Puis j'ai été voir le prof encore. Puis j'ai dit, je peux pas faire mon examen, madame. Man. C'est comme, laisse-moi juste le temps d'étudier. Puis elle m'a parlé fréquent, tu sais. Mm. Fait que j'ai dit, yo, je m'en fous, man. Puis là j'ai pitché la feuille sur la table. Puis j'ai dit, yo, je le fais pas l'examen, je peux pas. Puis là, tout le monde avait la tête levée, il regardait, je parlais fort. Mm. Puis quand je suis sorti du cours, j'ai dit, yo, moi, je le fais pas. J'étais au cégep, ça, Maisonneuve. Puis là, quand je suis sorti du cours, j'ai claqué la porte. Wow. Mais tellement fort que la fenêtre a pété. La fenêtre de la porte? La fenêtre, il y avait une fenêtre dans la porte. Ouais, c'est ça, c'est ça.
là, à casser, fait que j'étais comme, ah, yo, là, j'ai été trop loin, G. Dans ma tête, tu sais. Elle est sortie, puis y a la porte de l'entrée de l'école était là, puis c'était un long couloir. T'as couru. Mais j'ai jamais regardé derrière. T'as juste couru, J'ai pas couru, man. J'ai juste marché, mais j'ai jamais, j'ai jamais look back, comme. J'ai juste, puis je savais c'était fini, G. Wow. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai continué à me faire payer mes affaires par mon père, puis pendant toute l'année, puis tout, comme si j'allais encore à l'école. OK, il savait pas que t'avais quitté. Mais c'est comment tu te levais le matin, puis il savait pas... Je continuais à faire mes affaires. J'allais à Cartierville, je me levais le matin, j'allais à Cartierville, j'avais des partenaires là-bas. T'allais chill là-bas. Bah. Ouais, puis là, à un moment donné, je suis arrivé à la maison, puis il était comme... C'est quand les bulletins, il m'a pris comme ça, là. C'est des bulletins, ils sont arrivés, les bulletins, là. j'étais comme. Ça va bien. Toi, arrivé, tu étais où, toi? Là, moi, j'étais comme, ah, yo. J'étais grillé, papa. Il dit, tu penses que tu es un homme? Là, j'étais comme, yo. Puis là, j'étais déjà rendu street à mort, là. Je chillais beaucoup dans street, là. Yeah, comme. Tu sais, puis là, c'est comme, j'étais rendu dur. Il a dit, t'es un homme, vas-y, t'es un homme. Puis je dis, ah, yeah. Puis c'était pour moi, c'était comme, yeah, moi, j'y vais tout de suite. Puis tout de suite, comme, je suis parti de Saint-Bruno, j'ai atterri à Cartierville. Puis c'est là que ça. Straight up, c'est là que t'as commencé ton indépendance. Ouais. Cartierville, Côte-des-Neiges. Straight up. OK. Puis là, t'étais pas encore... C'est Henri. Sans pression, t'étais pas encore officiel. Encore. Non. Là, c'était le début. Yeah. C'était toujours Case Paz. Non. Ben, laisse-moi dire. Non, c'était déjà rendu sans pression, là. Yeah, man. Mais vous êtes venus avec le nom ensemble ou c'est ton nom aussi? Non, on n'est pas venus avec le nom ensemble. On est venus... C'est une madame qui nous a donné le nom. Straight up! You know what I'm saying? Tu connais l'histoire Cyrano, man. Non, c'est pour les fans, c'est pour les fans. You know. Stop friend, pour les fans. Il y a bien fait, yo, c'est le straight-up qui était trop. C'est ça. C'est ça, j'étais comme, yo, arrête. J'allais laisser ça passer, elle dit, OK, non, fake des shit, bro. Je vais pas laisser ça passer. Non, mais yo, on doit faire ça, you know, c'est cinéma quand même. C'est cinéma. Fait que, c'est l'histoire, man, de sans pression. Mais c'est ça, mais OK, on t'a donné le nom. Check, on est arrivé au show, j'étais avec T-Kid, j'étais avec une couple de partenaires, puis la madame, cette madame, juste à tous les entrevues, je le dis, man, si quelqu'un pourrait la trouver, ça serait trop nice. On sait, une belle mamie haïtienne, là, on sait, avec une belle attitude, là. T'es comme, c'est quoi votre nom? T'sais, comme il fallait, c'est-tu le show de Wallen, ça? Non, mais je suis pas sûr c'est quelque chose. Ça, c'est toujours encore... Nébuleux. Bref, elle nous a demandé c'est quoi le nom, puis on n'avait pas de nom. Puis elle a dit, oh, sans pression. Elle a dit, ah, si vous êtes sans pression. Puis comme... Oh, wow. Puis on a dit, comment il a écrit ça, G? Okay. Puis ça s'est passé comme ça, ce show-là était lit. Puis après ça, on chillait au métro après les shows. Puis tout le monde qui passait dans le métro était comme, yo, sans pression, man, sans pression. Wow. Puis comme... Ça a été comme ça, Cédric Morgan. Il y a des... Après ça, Stratège m'a présenté Ray Ray. On a enregistré au jour le jour. Ça, c'est la première track officielle sans pression. Ah ouais, c'était jour le jour. Okay, au jour le jour, c'est la première vraie track. Comme la mixtape Too Hot to Handle sur les beats d'Exhibit, puis Mobb Deep, tout ça. Ça, c'était une mixtape pour du monde. C'est le premier shit. Mais la première track ever, c'est au jour le jour. Puis ça, c'est quand Stratège m'a présenté Wave, puis ça, ça a donné Zone Sinistrée, puis ça a donné Territoire Hostile sur le vinyle, puis... You know. And the rest is history. What? They blow up, make a lot of money. Cash. The Mount Real goes away. C'était un album sur Mount Real. Il y a du monde qui ont fait plus d'argent que Mount Real, G. Tu sais, il y a du monde comme le... Je sais pas, tu te rappelles de la marque de linge Food. Tu te rappelles Food? Ouais. Food. Comme personne connaissait Food, là. Ouais. Mais Food, là, comme quand Sans Pression a mis du Food, là, cette année-là, là, Food, les trois années après, plus tard, là, comme... Si c'est pas les 7 digits, c'est pas loin. C'est pas loin des 7 digits. Puis tout ce qu'on avait mis, c'est... Moi, je pense que j'avais mis une tuque sur ma tête. Comme dans le temps, là, comme quand tu...
quand les comment je pourrais dire, comme la visibilité musique plus pis ces affaires là c'est que c'était enragé là. C'est pour ça que comme quand j'ai allumé après ça on était méchant avec les sponsors, tu sais. C'est ça, ben oui. Parce qu'il y a des sponsors qui ont fait des comme je vous mens pas là, c'est comme faudrait tu parler à des gars comme Dominique Lafortune ou des gars comme Simon, des gars de ça c'est des gars qui ont pas Dominique Lafortune mais des gars comme Faux, tout ça, c'est des gars, il y a beaucoup de monde qui ont vraiment comme fait du gros bread avec les pop au début là. Au début là, c'était ouais, enragé, man. Ouais. C'était vraiment enragé. Wow. Yeah, yeah. Connais ta valeur et exige un tarif. Ouais, mais on était un peu naïf. Tout le monde était naïf, man. Tout le monde, même ces compagnies-là, ils savaient pas qu'en mettant du linge sur nous, que c'est ça que ça allait faire, là. Tu sais, puis fait que c'est pour ça, à un moment donné, comme, toute la FF était en ville avec toute la clique. Toute la clique, même les gars du quartier, tout ça, il était à peu près 35 partenaires, G. Puis j'étais comme, yo, moi, je connais un sponsor, man, lui, il va prendre soin de vous, G. Fait que des fois, je revenais sur les sponsors que je savais qu'ils avaient fait plein de bread, puis je gâtais des artistes, you know. Puis j'étais comme, yo, on va aller au magasin. Je dis, non, man, on va à l'entrepôt, gros. Comme, je prends tout. Puis c'est comme ça, puis on prenait tout, man. Tout. Tout le monde sortait avec comme 4 sacs comme ça. I'm telling you, like, 50 000 piastres de gear, là. Straight up. C'était méchant comme ça. Tu sais, mais comme les sponsors, ils disaient rien parce qu'après, ils voyaient du foot d'un vidéo à FF à Marseille. Puis ils voyaient du foot sur je sais pas quel autre rappeur français. Tu sais, fait que c'est ça. Quand j'ai allumé, puis je savais la valeur de comme nos views, comme musique plus, ces affaires-là. Aujourd'hui, les views YouTube, c'est comme tu peux pas demander à un sponsor les mêmes choses que tu demandais dans le temps, man. Tout le monde fait des vidéos, tout le monde comme c'est ça, je sais pas, man. C'est comme c'est, ça marche pas pareil. Mais dans le temps, quand Echo te mettait du linge Echo, puis tu passais à musique plus ou qu'avais t'avais cette crédibilité, mais yeah, ça valait la peine de donner comme you know. C'est fucké, yeah. Fait que première question chaude, parce que vous avez fait une très belle pochette pour le 514-50 dans mon réseau. Très belle pochette. La rumeur dit que la raison que c'était cartoon, c'est que quelque chose était arrivé. And you had gone into an altercation, une altercation, quoi que ce soit. Puis à cause de ça, vous avez dû faire un cartoon pour la pochette. Ah, oh, c'est ça, c'est ce que c'est comme si t'écoutes l'album ou t'écoutes la chanson Territoire Hostile, c'est un peu ça, man. C'est comme c'est la rue, man. Des fois la rue vient cogner à ta porte, puis c'est un peu ça que t'es arrivé. La rue est venue cogner à ma porte, puis you know, j'ai pris mes coups de son camp. Fait que comme j'étais pas présentable, c'était pas dû pour toi ces coups là apparemment. Toi, tu l'as pris pour ton boy. Yeah, j'ai pris les coups pour mon boy. Ça cognait à ma porte, ils ont demandé pour le boy. J'ai dit qu'il était pas là. Ils ont dit, t'as 24 ans pour déménager. Puis, dis ça à ton boy. Fait que j'ai pris les coups, je m'ai réveillé, si ça, boum, boum. Mon boy est arrivé, il m'a vu. J'ai dit, oh, va-t'en. On s'est flex. Cédric Morgan était là. You know what I'm saying? Puis, après, je suis tombé sa connaissance. Je me réveillé dans un appart. Il y avait à peu près 60 partenaires dans l'appart. Everybody strapped, puis le monde voulait retaliate, le monde voulait comme, yo. Puis j'ai dit non, bro, parce que je peux pas, man, je suis deep dans le game, là. You know what I'm saying? Fait que j'ai stoppé tout ça, puis la journée, après, j'ai été enregistré Territoire Hostile, je pense. Puis comme je suis rentré dans le studio, Pierre, c'est un partenaire qui enregistre Céline Dion. Il faut que tu saches que comme à Piccolo, là, c'est comme, dans ce temps-là, c'était comme, je sais pas si c'était proche de 300 piastres de l'heure, là. Straight up. C'était proche de... C'était des prix de fou, là, enregistrés à Piccolo, là. Fait que j'arrive là, puis là, je vois Pierre, puis comme... Tu vois, j'avais une serviette sur ma tête parce que j'étais défiguré, you know? J'ai ressemblé à The Elephant Man, bro. Comme moi, pour vrai, là, j'ai jamais pleuré, là, comme quand pendant toute cette affaire-là, j'étais pété, mais je pleurais pas. À part quand j'ai regardé dans le miroir, G. Wow. Comme, la douleur, là, j'avais les yeux blood red, tu comprends? Fait que je voyais rien, là, comme... J'avais les yeux comme ça, tu sais, fait que... Mais quand je m'ai vu dans le miroir, c'est juste là que j'ai break down, tu sais. Parce que j'étais comme, yo, je pensais que j'allais rester comme ça, man, G. Tu sais, fait que...
whatever. Fait que je rentrais, j'ai enregistré Territoire Hostile. Mais ça, c'est comme, qu'est-ce qui est arrivé? C'est quand je suis arrivé là, j'étais tout, j'avais mis plein de choses dans ma face pour pas que le monde voit. Puis comme, quand je rentrais dans le bouffe, il y avait, le monde savait que quelque chose était arrivé, mais comme, il y avait comme 20 personnes derrière la vitre, you know? Mm. Puis je rentrais dans le bouffe. Puis là, comme, je pense que j'ai enlevé quelque chose sur ma tête. Puis là, Pierre, le gars sous le soundboard, il était comme, yo, va-t'en à l'hôpital, G. Puis j'étais comme, non, G. J'étais comme, il faut jouer avec ce track, il faut jouer avec, tu sais. Puis là, il était comme, yo, non, man, moi, je peux pas faire ça. Puis comme, c'est comme, je veux pas être responsable, bagaille. Là, je me suis énervé, j'étais comme, yo, il faut, t'es comme, retourne chez vous, sinon. Là, je dis, yo, si je retourne chez nous, je die, man. Je dis, je vais mourir si je retourne chez nous, tu sais. Puis là, il voulait pas m'enregistrer, man. Cat, man. Fait que j'ai fermé la lumière. J'ai fermé la lumière dans le bouffe. Comme ça, personne ne me voit. Ouais. Là, je dis, yo, tu m'enregistres, man. Puis là, j'ai crié, man. Comme, enregistre-moi, man, you know? Fait que le partner, il a record, puis c'est ça, man. Damn. Puis là, j'ai rec Territoire Hostile, puis comme... C'est comme, des fois, le monde écoute le début, mais comme, j'étais fucked up, là, puis comme, j'ai rec ça, puis... Tu l'as pas re-rec, la version qu'on entend, c'est la version que t'as faite quand t'étais magané, là. Yeah. Damn. Mais quand tu les réécoutes aujourd'hui, man, t'as apprécié encore plus la chanson. Ouais, que c'est une vraie émotion, he was really going through it, là. C'est deep. Yeah, grosse histoire. Only here. C'est fucked up, man. Parce que même quand t'écoutes la réplique des Offusqués, tu vois que tu le dis, cette histoire-là, mais tu sais, comme, tu en partie, comme je t'ai dit de double-check mes posts, que t'as fait des gros tests, je pensais qu'on allait toujours être amis, mais encore une fois, t'as joué avec ma vie, ma confiance, t'as trahi, j'ai eu mon reality check, tellement m'a gagné qu'il fallait que je rappe avec une serviette sur ma tête. Que... J'avais oublié ces paroles-là. Rap politique, bro. On sort les vrais dossiers. Yo, ça, c'était des grosses paroles. And it was real talk. Parce que les gens, c'est pas tout le monde qui comprend, comme, tu passais à travers quelque chose de réel, puis t'en parlais, mais les gens le prenaient pas juste pour une chanson, une belle, ça, si belle chanson. Savait pas, ouais. Ça savait pas le realness derrière les paroles. Mm-hmm. Ben, c'est comme, je peux parler d'une affaire, mais pas sans m'éterniser dessus. Tu vois, mm-hmm. Dans le mic. Rapproche-toi. Je parle de la chanson, mais comme... Des fois, je vais parler de quelque chose, mais je veux pas comme trop rentrer dans... Mm-hmm. T'sais, je le dis comme... Mais comme... J'aurais pu aller dans les détails, mais comme non, bro. You know, comme... Des fois, t'en garde pour toi, t'sais. Comme, mm-hmm. Ça fait partie de la réalité, t'sais, comme c'est... On joue avec le feu, toute la gang, t'sais. Fait que des fois, man, quand tu joues avec le feu, tu sais jamais qui va prendre, tu comprends? Mais j'ai pris une couple de fois, moi, tu comprends? J'ai quand même pris une couple de fois, man. Ouais. Pour le boy. Ouais. Ça, c'est une réalité, man. Ça, c'est real. C'est pour ça, par la suite, t'es allé plus vers une carrière solo. Ouais. Après ça, j'ai sorti Réplique aux Offusqués. Puis même ça, comme Réplique aux Offusqués, moi après le premier album, je me tentais plus d'être connu. Parce que même quand j'ai commencé, j'étais toujours un gars incognito, tu sais. J'étais incognito, j'étais pas un gars qui aimait se faire remarquer anyways. Tu comprends? Fait que après le premier album, c'était all good and shit, ben comme ça me tentait plus, j'ai, for real, ça me tentait plus de rap, pas en tout, mais j'avais pas de kid encore. Ça me tentait plus de rap, mais j'étais en train de déraper, justement, man. Comme le rap, pour moi, ça a sauvé ma vie, G. C'était rap ou comme... Puis je dis pas que j'étais un gangster, puis je dis pas que j'étais un killer, moi. I was just a rowdy dude, man. Si on était pas des killers, puis on était pas des gros vendeurs de drogue aussi, mais comme on était des rowdy ass, man. C'est des vagabonds, On débarquait dans ton party, puis on crasait ton party, comme on foutait le bordel quand on débarquait. C'est plus ça, G. On volait des chars, puis on volait des dépanneurs, puis mais comme on faisait pas mal à personne, man. We was just rowdy, man. On sautait le métro, on payait pas le bus, tu comprends? Des shit comme ça. Mais comme
Je sais pas où je m'en allais avec ça. Non, pour dire que tu voulais arrêter après le... Comme shout-out à Eminem, parce que c'est un peu grâce à Eminem que je suis revenu. Ah ouais, hein? Yeah. C'est à cause de quel track? J'ai entendu une track d'Eminem. I don't give a fuck. Non. I still don't give a fuck. Mais sur le premier album. Scream Movie? Un track d'Eminem. Mais sur avec le premier... Rush Fine, featuring Forrest the 5'9", Scary Movie? Non. Mais Slim Shady... C'est Lose Yourself, man. Ah, Lose Yourself? Non, ça c'est comme après, le deuxième ça, ou ça, troisième. Ça, c'est le soundtrack après, là. Yeah. You gotta lose yourself. Si, ah, c'est si le soundtrack de... Si je m'en trouve pas, c'est sorti cette année-là, mais comme... Ah non, ça, c'était... Ah, cette année, je sais pas. Hein. Je sais pas, dans 2000... Lose Yourself. 3, peut-être. Ouais, 2003, ouais. J'écoutais Lose Yourself, puis comme c'est la vidéo, puis je me rappelle, je mon gars venait de naître. Mon gars aujourd'hui, il a 19 ans. Straight up. Mon gars venait juste de naître, puis comme... Puis j'écoutais la vidéo du Lose Yourself, puis je... T'as relate. Yeah, j'ai relate. Puis comme, you could do anything, you put your mind to. Yeah. Comme, c'était comme si Eminem, il me parlait, comme... Puis je travaillais à la shop, là, avec Man Spino. On triait des auto, des pièces d'auto, man. C'était fucking grimy, man. That shit was crazy, man. Mais je regrette jamais d'avoir travaillé. Puis je respecte tout le monde qui travaille. Il y a aucune honte de rapper et de travailler. Mm-hmm. Le monde pense que yo, je connais plein d'artistes là comme avec des statues là comme qui font pas du rap puis qui travaillent every day, man. Mm. Puis c'est des artistes comme bien plus big que nos artistes hip-hop là. Mm. They go to work, man. C'est du monde à la cowboy fringant and all that, man. J'avoue, hein? They work, man. Ils font leur cop avec la musique, ils travaillent. Mm. You know? C'est fait que ça, j'aimerais point that out, mais... Le star système québécois, c'est quoi? C'est quoi? C'est là que j'ai la première track que j'ai écrit pour revenir, c'était pas le choix de foncer. Mm. Fait que c'est pour ça que je dis souvent que la musique, moi, c'est thérapeutique. C'est comme, j'avais besoin d'écrire cette chanson-là pour revenir. Et puis des fois, quand je feel a certain way, I gotta write music. Malgré que je suis black, j'ai pas le choix de foncer. Mais ça, c'est une grosse parole qu'il avait donnée, que c'est inoubliable. Si tu connais ton sans pression, c'est comme, c'est de base, une ligne de base que tu dois connaître de sans pression. Pas le choix de foncer, man. Yo, c'est grosse ligne. Les verses, c'était long, man. C'est 2,32 bars, cette chanson-là. Wow, ouais. 32 bars, là. Ouais, c'était 2,32 bars, man. Des fois, comme je pense que je l'ai jamais fait en show, man. C'est trop de bars, man. C'est trop de bars, là. Mais malgré le succès du premier album, tu t'étais pas encouragé pour dire waouh, tu sais, les ventes d'albums, tu sais, le succès, t'étais comme yo, tu sais, le premier vidéo qui roule la musique plus, t'es là. Ouais, mais il y avait beaucoup de choses de dark là, tout ça. Il y a beaucoup de comme, avec le succès, il y a beaucoup de choses que comme, le monde dit souvent, ah, t'as changé. Non, c'est le monde qui a changé, man. Mm. I didn't change, man. You guys change, man. Tu comprends? Vous êtes pas capable de deal avec le partner qui est en train de take over ou en train de faire son shit, tu comprends? Parce que vous avez été à l'école ensemble ou parce que, tu sais, c'est comme, not everybody's gonna make it, man. Mm. C'est ça la réalité. C'est comme, and if you wanna make it, then go hard. Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est facile de faire ça. Faire du rap, c'est une discipline, man. Comme, t'as ceux qui veulent le faire pour le fun, puis y en a qui veulent laisser leur marque, puis ou il y en a qui veulent être là longtemps, ou il y en a, tu sais, comme, il faut que tu saches où tu te tiens dans ça, tu comprends? Mm-hmm. Comme, il y a beaucoup de jeunes, comme, tu vas leur demander pourquoi ils rappent, ils vont te dire, je sais pas, man. C'est comme, c'est quoi, man? C'est comme, t'as-tu une raison? C'est quoi ton but? Ouais. Non, je fais ça, man. Ça me donne un... Au moins, ma mère, elle va voir que, comme, you know, même si je ressors dans le street, ma mère va voir comme, c'est un chanteur, tu vois. Mm. Yeah, man, je suis un chanteur, maman, man. Ouais, ouais. I'm doing music, mom. Ouais. You know, it's all good. T'as fait réplique aux offusqués. Puis ensuite, derrière mon sourire, c'était quel album, ça? Dans la réplique des offusqués. Derrière mon sourire, c'est réplique aux offusqués. C'est ça. Yeah. C'est quoi que tu dis, bro? Sérieux. J'ai aucune idée. Je dis sérieux, man. Les rires sont allumés.
Sérieux? Yo, pour elle, tu niaises encore. Ça, c'est deux fois. Là. Sérieux? Sérieux, sérieux baby. C'est quelle chanson que tu chantes, bro? Tu sais qu'ils chantent pas le même. Ils sont animés, pis c'est pas du tout chill. Je cache ma colère derrière mon sourire. Yeah. Sérieux? Oh, sérieux? Je parle, peu même mon regard parle fort. Vision foquée par tout ce qui se passe dehors. Les rues sont animées. Tout en soi le réaliser. Avant de dire non, regarde toi, prends le temps de visualiser. Même en région, il y a urbanisé. Ok. Non, pour de vrai, c'est dur à comprendre parce que c'est comme un rock. Toi, t'es comme un. T'as le côté rockstar aussi. Il y a des gens qui m'ont souvent dit que j'aurais pu faire du rock. À cause de ta voix. Ils ont animé. Non, mais le sample, c'est quel sample de ce beat-là? Terrible. Terrible, On abusait des samples. Je cherchais le sample de ce beat-là. Je me disais aussi où ils ont pris ce beat-là, mais shit. Je me rappelle juste d'un sample de 5450, puis c'est Pat Navi, parce que c'est moi qui avais amené le vinyle à Harry. Puis c'était Denis Rousseau. Puis comme il avait mis sample, puis comme j'entendais déjà la track, tu sais. Terrible. Pat Navi, c'est un gros track aussi, man. Moi, mon track, vu qu'on est toujours sur les deux premiers albums, mon track, c'était Je peux backer tous mes péchés. Je peux backer tous mes péchés. Jugement dernier, beaucoup. Jugement dernier. Ouais. Aïe, la vie d'un bad. Ça, c'est une des tracks. Même ça, c'est une des tracks que quand j'écoute aujourd'hui, je suis comme yo, le petit. Je parle comme si c'était quelqu'un d'autre pour vrai. Je suis comme yo, man, le petit, il réfléchit. Il pensait, man. C'est parce que souvent, on allait à Piccolo, là, puis comme. C'est pas comme si on a, comme pour vrai ça coûtait cher puis on allait là puis comme des fois là j'étais comme yo kid man il faut t'écrire ton verse là là puis comme yo puis c'était une grosse session qui s'en allait sur l'album là. Puis comme c'était là le matin comme Sing de la Bête c'était le matin j'étais comme yo on écrit un track Third Eye là Sing de la Bête man les yo c'est quoi là qu'est-ce qui se passe là, là le monde comme Sing de la Bête si t'écoutes cette chanson là comme t'écoutes ça aujourd'hui le monde va dire t'es un complotiste mais dans le temps on faisait du rap de complotiste aussi tu sais puis comme ce matin là je me réveillais puis j'ai dit à Kid yo je sais pas man on lit le journal on écrit n'importe quoi yo puis ça a donné Sing de la Bête parce qu'on avait déjà le Third Eye Knowledge aussi. Le grand frère était toujours en train de miss, il était toujours en train de nous donner le knowledge. Fait que ça a donné ça, puis comme, yeah man, c'est ça. T'as grandi dans quelle religion, toi? Mes parents étaient chrétiens. Catholiques? Catholiques, chrétiens, si tu parles, ça, je sais pas. Catholique. Ouais, c'est... Ils étaient chrétiens, mes parents. Ok, ça, tu sais pas si t'es protestant, mon catholique. Grand frère est musulman. Ah ouais? Miz est musulman. Ok. J'ai été à la mosquée avec Miz. Moi, c'est vagabond ma religion. Tu sais, c'est pour ça que t'as fait. Ouais, c'est ça, vagabond ma religion. Je suis un peu tout. J'aime bien les Bouddhas aussi. Je prends un peu de tout. Je prends un peu de tout le monde, man. Je pense que toutes les religions ont de quoi de positif. Puis je prends le positif dans tout, man. Que ça soit dans le Coran, que ça soit dans la Bible. J'essaie d'analyser les scriptures, puis comme... Tes enfants sont baptisés? Mes deux premiers sont baptisés, ma troisième est pas baptisée, je crois encore. OK. Intéressant, man, intéressant. So, moving on. Il y a eu le 13 Deep par la suite qui s'est formé avec les gars. Je sais pas que c'est arrivé à Cast. Des fois, je le vois sur Facebook. J'ai vu Cast, je lance à Cast. J'ai vu Cast il y a deux semaines, j'ai vu tout ça il y a deux jours. Je parle à Comno aussi. Tonton aussi à Québec, je l'ai vu. Rest in peace à Sol. Sol, c'est que je te parlais tantôt d'un panin. C'est lui qui a fait le vidéo derrière mon sourire. Okay. C'est lui qui a fait le vidéo Bugs Bunny, man. Il est mort récemment. Rest in peace à Sol. Sol Valdez. Puis ouais, c'était ça. Il y a eu 13e étage. Puis comme ça, c'est... Il y a le 13e étage, parce qu'il y avait 13 Deep, ça c'était le label qu'ils ont formé. 13 Deep Records, ça c'est moi puis Cass, on avait ça, c'était 13 Deep Records. Comme moi je m'occupais plus de la musique, ils s'occupaient de la paperasse. Puis c'est comme ça que j'ai connecté avec toi, for real. Yeah. Je connaissais avant comme en tant que fan, I used to go to the shows and stuff, mais quand on a connecté, mais c'est à travers Gundy, to remind you, Gundy a fait un track, In This Life. Zubon.
Gandhi Zubon, like mon Gandhi. Yeah, yeah, Gandhi. Ouais, c'est ça. C'est shout ça. Out to Gandhi, man. Shout out to Gandhi. C'est ça. Fait que lui, yeah. il a fait un track, puis il aimait mon style, puis il a dit, yo, je connais Sans Pression, I could put both of you, I want both of you guys on. J'étais comme, ah ouais, tu as mis sur un track avec Sans yeah. Pression, toi. Yeah, yeah, mais tu m'avais bien check, man, puis on a bien relate. Yeah, comme, c'est là qu'on a connecté, straight yeah, up. Straight up. Fait que shout out to the whole fam. J'avais déjà été manger chez toi à un moment donné, yeah, in the time. Shout out, how's it, the baby mama too, shout yeah, out yeah, to her, because yeah, yeah. I knew her too, you know. I'm saying, la baby mom's, man, yeah. saying, m'a donné trois beaux enfants, you know. Fait yeah, love. Yeah, shout out to her, elle était une soldat dans le game aussi, she yeah, was yeah, there yeah, yeah, yeah. when you were in yeah. the thing. Ok, so 13, et puis Kobna, comment t'as connu Kobna? Kobna, j'ai connu, il habitait chez Strat, man. C'était un partner chez Strat, man, c'est un français fucked up qui chillait chez Strat, puis comme... Il y avait des bars, man. Kobna avait des bars. Comme le monde ne savent pas, mais Kobna écrit beaucoup de refrains, man, pour moi, man. Ah ouais, ouais. Donc, Kobna écrit pour moi. Comme des fois, on écrit parce qu'on a besoin d'un autre vibe. Fait que je vais écrire un refrain pour lui, il peut écrire un refrain pour moi. Yeah, mais yeah, mettons, yeah. Le malin te guette. Yeah. C'est Kobna qui a écrit le refrain. OK. Tu vois, okay. parce que moi, je suis arrivé avec un refrain trop grimy, puis c'était comme... Puis lui, il a mis un petit touch, ça touche Kobna, puis comme... Ça a donné un gros track, puis il y a beaucoup de beats qu'il a fait aussi pour moi, Kobna. Puis comme, souvent, Kobna, c'est un gars que le monde a mis dans l'ombre. Parce que lui, il est arrivé à l'époque où est-ce que, si tu rappais avec un accent de France, mais les Québécois t'aimaient ouais. pas. Tu ouais, vois, ouais. ouais. Mais c'est il était comme, Québécois. Il est Québécois. C'est juste qu'il habitait en France. Ouais. Aujourd'hui, si tu rappes avec un accent de France, c'est quasiment mieux pour toi. Non, mais parce qu'il y avait beaucoup le... Je pourrais dire le mouvement rap, tu sais, rap joual. Ouais. C'était très publicisé. Fait qu'à un moment donné, si t'avais quelque chose d'autre, c'est comme si t'allais contre le courant. C'était le début de notre identité. C'est ça. Tu vois, notre, comme on n'avait pas d'identité comme avant, des Casey, les MNOP, des gars comme ça. Fait que quand on a eu une identité, c'était comme... le monde était très puriste. Comme c'était comme si tu rappais moindrement, c'est comme... C'est moi, j'ai pas forcé, là. Je rappe comme que je parle, you know? Mais même quand t'es arrivé dans le game, est-ce que toi, t'avais aussi perçu ou... Comment tu te sentais? Parce que moi, personnellement... Moi, j'ai commencé, mes premiers rhymes que j'ai écrits en français, comme j'étais pas sûr de comment il fallait que je rappe. C'est comme c'est Casey puis ces gars-là qui m'ont montré, mais c'est en les voyant que parce que, sans te mentir, la première fois, je m'en rappelle... C'était la transition, on essayait de connecter avec le monde de la France. Ouais. Tu vois, puis j'avais un souper avec Nicole Bouchard, puis avec Passy de Ministère Hammer. Tu sais, Passy. Oui. Ouais. Puis je te mens pas, G. Puis pour moi, Passy, là, j'écoutais Passy, tu sais. Je zappais, je match. J'écoutais Passy, man. Yo, Passy, j'espère que Passy va entendre ça, parce que ça, là, j'ai pas une bonne mémoire, mais ça, je m'en rappelle, G. J'avais un souper, il y avait Nicole puis Passy là, puis moi j'étais assis là. Puis là, c'était pour une affaire pour sortir l'album 514-50 en France, man. Okay. C'était un genre de meeting comme ça. Puis j'étais avec Passy, man. Puis je te mens pas, G. Passy, man, Nicole était comme, il a écouté ton album, mais il y a une couple de critiques à faire, whatever. Fait que là, moi, je voulais voir ce qu'il avait à dire. Je te mens pas, il a pris l'album 5450. Il a pitché sa table comme ça. Puis il m'a dit, ça passe pas, man. Là, il dit, premièrement, là, il faut que tu me changes ton accent, man. C'est la première chose qu'il m'a dit. Oh, wow. Il m'a dit, il faut que tu changes ton accent. Le monde qui parle comme ça en France, là, il habite dans les montagnes. Il habite dans les montagnes, ils boivent du lait de chèvre, là. Ouais, pas de Calais, là. Ils habitent dans les montagnes, les gars qui parlent comme ça. Tu dois changer l'accent, là. Après, il a dit la pochette. Mais cette pochette-là, yo. Une belle pochette, grosse pochette. Yo, il n'a pas down. Il n'a pas kiffé, en fait. Il n'a pas kiffé la pochette, man. Wow. Puis toi, t'étais là, toi yo, t'avais moi, des attentes, puis là, tu sais comme, t'as tout crasé, bah. J'étais comme... Puis pour 15 secondes, j'ai dit, ah, il va falloir que je change mon shit, man. Ça me met 15 secondes. À 15 secondes plus tard, j'ai regardé le panel, je dis, ah, man. Puis on a continué tout ça. Mais quand je suis sorti de là, j'ai dit, oh, fuck that, man. Parce qu'à un moment donné... Moi, je change à rien, man. Puis ça... À rien.
comme je dis, comme j'étais comme humble. C'est au moins le gars il a dit son franc à vie, tu sais. Il était pas en train de me dire que c'est de la merde. Il a dit ça là en France ça marche ça pas, man. Oublie ça, G. Oublie. Tu comprends? Il était pas fréquent avec moi après ou rien là. Il était respectueux, toi. Ouais. Il m'a dit, yo, c'est ça qu'il faut que tu fasses, G. Tu changes ton accent, puis comme cette pochette-là, oublie ça, G. Tu sais, fait que moi, comme je suis sorti de là, man, comme, yo, damn, bro. Tu sais, ben, comme j'étais comme là, man. Non. Tu sais, fait que j'ai juste continué à faire mes affaires comme je voulais les faire, puis comme. Ouais, c'est sur mute les affaires, ouais. Non, c'est un piste discol important qui va mettre mute. On va faire paraître sa mute. C'est ma fille, man. Allô? Ça passe, ça. Allô? Ça passe. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'étais en entrevue, là. OK. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, allez. Rien, je veux juste dire merci. Pourquoi? Ah, pour l'argent, hein? OK, c'est bon. OK, thanks, my love. Bye, my love. Bye. Bye. Et fais paraître bien, là. Yeah, pas parler. Yeah. Yo, j'ai pas rien dit, là. Bien timé. SP, yeah. Là, tu peux le mettre sur mute, là. Yeah, yeah. Là, tu peux... Non, mais comme quand j'ai du cop, je check toujours mes kids, là. Mais yeah. Est-ce que tu l'avais dit publiquement, cette affaire-là, cette histoire-là? Parce qu'on dirait qu'après... Okay. Je sais pas à quel point ça... Je sais pas, ça t'a refroidi cette rencontre avec Passy, mais après, on dirait que tu voulais rien savoir de personne. On dirait, c'est comme, you know what, moi, non, personne... Non, c'est pas là que ça a commencé. Parce qu'il y a quelque chose à un moment donné que t'es arrivé, puis publiquement, on a su que SP est comme, yo, fuck. Mais c'est pas comme ça a commencé. Mon shit avec la France, ça a commencé quand. Parce que moi, Freeman était venu à. Puis d'ailleurs, j'ai vu le partenaire avec qui j'étais chercher Freeman à l'aéroport hier, man. Oh ouais, hein? Comme par hasard, j'ai pas vu le gars, ça fait 15 ans. Get. Puis hier, je l'ai vu. Puis il m'était comme, yo, viens, assieds-toi dans ma machine. Puis comme, j'y parlais avec. Puis yeah. Yo, tu te rappelles, on Freeman, on les a fait triper. Yeah, yeah. Puis comme hier, yeah, j'étais comme, mais j'ai pas dit que c'était arrivé plus tard. Mm. Bref, ça, mon affaire avec la France, ça a commencé. Ça a commencé quand Booba a commencé à ton chien. Ah, je savais que c'était l'affaire de Booba, hein. Puis shout out à Rain Man, parce que Rain Man, ils ont répliqué. Ouais, je me rappelle. Ouais, ouais. Rain Man, on dit, oh, ça passe pas. Ouais. Il y avait ça, il y a Booba qui disait qu'au Québec, c'est rap, ça. Rap de garderie. Ouais, ouais. Ouais. Il disait que c'était la cour d'école. Après ça, j'étais chez moi bien relax, puis un partenaire qui m'a appelé, puis m'a dit que Freeman était dans un backstage à Montréal. En train de parler caca. Oh shit! Sur le rap québécois, mais comme non-stop, going hard. Wow! Man. Supposément, il disait qu'en France, il y avait les I Am, les Oxmo Puccino, il y avait les NTM, puis qu'au Québec, on avait foot caca. Yo, il était en train de go hard sur nous, là. Pis le gars était comme yo, le gars il parle caca, même sur toi, SPG. Hey. Comme le gars il parle caca, c'est toi, pis là, j'étais comme. Oh. Là, je voulais y aller, mais j'étais avec mes kids. Puis j'étais comme, ah, yo, de tant caca, là, il y en a toujours, du. Comme ça, pour ça, je suis bon pour ignorer le monde qui parle la merde sur moi, je suis bon. Mais j'avais entendu, il y avait une affaire comme ça avec Yvon Crevé, ouais. Quand il avait travaillé avec, c'était si Funky Family. Secret Connection. Secret Connection, Fab Coma, puis ce monde-là. OK. Je pense que, comme, je sais pas, man, que... Yvon était pas de bonne humeur ce jour-là, c'est comme. Yvon, bon. Et puis il était comme fuck votre accent français, man. Comme bon, man, arrête, man, c'est des superstars en France, man. Il a dit fuck that. Yo, lui, il était comme fuck eux, man, yo, beef dans le studio, G. Moi, puis Cédric Morgan, on était les referees, man. Les Français voulaient tuer Yvon, man. Puis il fallait qu'ils. Ils sont venus rec, puis il fallait qu'ils aillent prendre l'avion en plus. Mais ils ont fait un détour pour venir au rec, puis Yvon était juste comme, yo, fuck eux, man. Je sais pas comment les gars l'ont regardé ou je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit au patin, mais c'était mort, là. Ouais, il y a pas eu de track. La track s'est enregistrée, man, mais comme n'a jamais sorti. Eux, ils sont arrivés en France, mais fuck ces nègres, là, fuck eux, là, tu sais. Comme. Oh shit. Wow. Parce que depuis cette époque-là, je pense qu'il y a un pont Montréal-France qui aurait pu, but yo. Non, mais comme je pense que le pont, il est encore là, comme
c'est des affaires entre artistes. Ouais. C'est pas vraiment entre Montréal et la France, c'est des affaires d'égo d'artistes. Je pense que même si les gars resteraient ici, là, mais ça aurait été la même chose. C'est des affaires que yo, c'est comme... Le monde se prenne la tête des fois en studio, des affaires comme ça, mais comme... T'as le droit de pas aimer quelqu'un ou pas, comme... C'est comme... Même si un partenaire, il parle... Il vient d'ailleurs, puis il parle sur quelqu'un qui aime pas ici, d'ici... Comme il peut être en France puis parler de quelqu'un qui aime pas en France, tu comprends, en voulant dire que c'est comme c'est pas la France contre Montréal. C'est quand j'ai sorti la track Hospitalité, comme beaucoup de monde me dit, oh t'es barré en France, mais comme il y a beaucoup de monde en France qui ont adoré cette chanson là, parce qu'il était comme dans la chanson, je dis que comme on vous a toujours tendu la main puis comme vous disiez que vous allez faire des moves pour nous autres en France. Ça c'est vrai. Puis comme ils ont pas fait zéro move, man, comme il y a beaucoup de fois, man, j'avais comme on me demandait c'est qui qu'il faut faire venir, puis c'était que j'ai vu Cédric Morgan dire deux balles et je l'ai vu faire sortir les trials des affaires de Funky Family. Puis comme c'est pour ça qu'ici au Québec c'était, le monde connaissait pas Paris, connaissait que Marseille, parce que on a commencé avec Marseille. C'est Marseille le premier qu'on a poussé ici, c'est vrai. Mais t'es allé en France quand même au début, à tes débuts t'es allé avec Cerveau et puis qui d'autre, il y avait Mozaïen, yeah, t'es allé dans La Rochelle, je pense, La Rochelle, yeah, ça aussi ça a été quelque chose comme qui m'a, tu sais, le rap m'a fait comme, tu sais, quand t'es dans les affaires street, tout ça, puis comme à cause de ta musique, tu voyages, tu es dans un autre pays, tu sais, c'est comme c'est ça qui m'a fait devenir très sérieux avec mon hip-hop, tu sais. Puis là, tu es dans le journal, puis des shit comme ça. Mais t'étais gaillé l'autre bord aussi, apparemment, il voulait prendre ton passeport, il voulait pas te laisser. Yo, c'était fou, G. Ouais, lui. Yo, pour vrai, check ça, G. On est monté dans l'avion, on s'est pété, on était pire que les influenceurs que t'as vu, là. Yo, on était les influenceurs fois 20, man. Cédric Morgan avait peur, man. Il avait peur des avions. Fait qu'on lui a rempli une bouteille, là. Une bouteille, là. Dans le temps, tu pouvais amener bien plus de shit dans l'avion. OK, OK. Bref, on était pété. J'ai été voir mon cousin. J'ai dit, prête-moi ta plus grosse chaîne, bro. J'ai dit, la plus grosse, là. The biggest, là, une chaîne à la Run DMC, là, au coup de jail, là, une torsade, là. Une tête de lion, là, avec des rubis dans les yeux, là. Yeah. Tout le monde, comme, yo, en France, là, tu mets pas des chaînes comme ça, tu vas te faire jack, man. Mm. Puis j'étais voir Mills, j'ai dit, il m'a fait un airbrush, puis c'était un patinet qui tenait un fuck you comme ça, tu sais. En 3D, man. Le patinet, c'était un négro comme ça. Puis comme, bref, man, on arrive en France, bro, on est claqué, man. On est pété, là. Mm. On est pété. Moi, j'ai une bouteille de Crown Royal, là, comme attachée dans mon cou. moi, puis Vulgaire, on est nu-pieds, man. Torse nu dans l'aéroport. J'ai gaillé, man. Net, là. Net, là. On connaît pas la France. La rue pour eux, on connaît pas les règles de la France, là. Yeah. On fait du bruit dans l'aéroport. On est crunk, man. Je sais pas combien, je sais pas si JP, Ticket, il a swipe des cartes dans l'avion, man, ou quelque chose. Yeah. Mais on a bu, man. Ticket, il a fait boire les partenaires. Straight up. Puis, c'est comme à peu près 10 minutes après qu'on ait mis les pieds en France, man, on avait comme 30 babies autour de nous autres avec des carabines d'en face, man. Okay. Puis on était gaillés, là. Et Ticket, il n'y en avait rien à faire. Puis comme tout le monde, yo, fuck toi avec ton gun, man, yo! Yo, tu sais, nous, on vient pas, yo! Puis on parle, on était fou, on criait après les policiers, tout ça. Puis les gars, ils bougeaient pas, t'es pas au Canada ici, tu vas retourner au Canada, là! Et là, il me regarde, il est comme, yo, tu mets tes souliers! Puis moi, puis Vulgaire, on est comme, oh shit! Là, je mets mes souliers, puis là, comme pour vrai, check ça, puis j'avais une genre de chaîne avec une balle, tu vois. C'était comme une affaire promo pour Arsenic. Mm. Puis comme il est venu, il m'a enlevé, il m'a arraché l'affaire, tu sais. Puis il m'a dit, mets ton chandail. Tu sais, puis là, j'ai mis mon chandail, puis c'était le partenaire avec le fuck you en 3D. Mm. Yo, bro, ils m'ont dit, enlève le chandail, G. Mets-la à l'envers, man. Uh-huh. Et c'était comme ça qu'on a rentré en France. Puis c'était comme, t'es pas au Canada ici. Puis comme, yo, c'était quasiment comme, yo, fais un U-turn si tu penses que, yo. Puis c'était ça. C'est comme ça, mais tu débosses vite après. Yeah, tu débosses vite après comme ça. Ouais, les gars, ils blinquent pas, là.
Puis c'est des jeunes cadets, là. C'est comme des... Je sais pas c'est quoi, là. Yeah. Un autre genre de 5-0 là-bas. Yeah, là. Yeah. C'est une autre vibe. Fait que, c'est comme ça que j'ai chillé en France. J'ai aimé ça, mais comme c'est quand même fucked up. Comme les francopholies de La Rochelle, là, c'est pas les francopholies de Montréal. Yo, quand je te dis qu'il y a 3-4 cités qui débarquent, là, c'est comme... Yo, c'est comme des clics de 3000 patinets qui débarquent, là. Yeah. Comme, I'm literally, like des clics de 300, 400, 700 patinets, là. Comme quand il y a un battle qui commence, là, c'est le cercle, là, il est tellement gros, il y a 20 battles dans le cercle, là. Il y a 20 battles de breakdance dans le cercle, là. Le cercle est huge, là. Quand un coup point qui se donne, là. Very humble. Yo, oublie, G. T'es jamais retourné en France depuis? Non, man. T'es genre de la famille là-bas, toi? Fuck that! T'as de la famille là-bas? Non, c'est pas fuck that, mais comme... Non, j'ai pas vraiment de famille là-bas, mais j'ai des partenaires là-bas. J'ai une couple de partenaires qui sont là-bas. J'ai RWO qui est là-bas. Ah, word! J'ai shout-out à Ro. Yeah, man. Gros shout-out, ouais. Il fait des moves quand même, you know? So, fuck, shout-out à Ro. Shout-out. Toi, tu l'as aidé dans sa carrière quand même. À ses débuts, je me suis rappelé, toi, tu poussais vraiment pour lui, man. Yeah, man, j'aimais bien Ro, you know what I'm saying? Il avait faim, tu vois. J'aime les rappeurs qui ont faim. Yeah. Les rappeurs qui ont pas faim, you know. Tu sais, même si tu dis rien, il faut que t'aies faim un peu. You gotta be hungry, man. Yeah, c'est vrai, he had that. Yeah. OK. Fait que là, t'as continué, t'as sorti, c'est ça. Après, t'as été indie, puis ça a arrêté. Est-ce que tu peux nous expliquer le pourquoi ça a pris fin? 13 Deep, ça a pris fin. Je pense que c'est parce que je suis comme... On était pas vraiment tight là, pour un label, you know. On était encore trop gaillé, trop... Voir que c'était Cast qui était plus là, hands-on, c'était beaucoup pour lui à gérer. Ouais, Cast, il fallait qu'il gère beaucoup de shit, you know what I'm saying? On avait une autre femme qui s'occupait des affaires, elle est partie. Puis comme, on a juste continué à le faire jusqu'à temps que ça hit the fan. Il est sorti combien de projets? Jusqu'à temps que IRS, il débarque, puis ils disent, yo, vous nous devez... vous nous devez, je sais pas combien, okay, man. OK. You know what I'm saying? Fait qu'il fallait régler ça. Meanwhile, j'ai été faire un deal avec. J'ai fait un deal avec Joyride. Avec Silence d'or back then. Mais avant, OK, on va pas sur. Mais avait, non, c'est avec la tendance au maintien avant, non? La tendance au maintien, ouais. Ça, c'est avant. La tendance. Puis il y a eu Le Cœur de Montréal, un des plus gros hits d'été. Yeah. One of the biggest summer hits. Ça, c'est sur le premier album, 13e étage, L'Asphalte dans mon district. C'est ça, ouais, c'est ça. Souvent, le monde entend Le Cœur de Montréal, puis il pense que c'est une chanson comme Sans pression, nanana. Mais c'est du 13e étage. Ah ouais, ouais, c'est 13e étage, ouais. Gros track, like that. Shout out à Radical qui a kill le hook, man. Yeah. Cette chanson-là, pour vrai, était même pas supposée d'être sur l'album parce que comme. C'est vraiment un coup de tête, c'est spontané là, que ça s'est fait comme ça. Je sais pas comment qu'elle s'est faite, mais comme... Gros track d'été, ça. Vous dans le cœur de Montréal, ouais, oui. Ça, jusqu'à présent, ça peut jouer dans des clubs, là. Yeah, ça joue encore. Mais... Yeah, yeah. That was a big one. OK, fait que c'est là, ça s'est dissous, 13 Deep, ensuite. OK, t'étais avec Silence d'or pour... Le Silence d'or, c'était pour Micro Drive-By. OK, ouais. Je commence à être mélangé, man. Je sais même pas, man. Tellement qu'il y a des bails. Je sais qu'il y avait la tendance se maintient avant Micro Drive-By. OK. Mais la tendance se maintient, justement, ça, c'est sur 13 Deep. C'est nous autres qui l'avons sorti. Puis sur la tendance se maintient, c'est avec celle-là qu'on a performé. Je suis quand même fier de ce qu'on a fait avec 13 Deep Records parce que comme j'ai quand même été à la disque performer la track avec Eric Lapointe, puis on a réussi à pull off ce track-là, Loadé comme un gun remix avec Eric Lapointe. Puis c'est sur cet album-là aussi que j'ai pu aller. C'est sur cet album-là que mon implication avec les Premières Nations a commencé. T'sais. C'est comme je l'avais déjà, mais comme sur cet album-là, j'ai pris le temps d'aller dans les communautés, puis comme comprendre c'est quoi. La réalité, tu sais, fait que, yeah, man, c'est... La tendance se maintient ensuite, c'était Vagabond, ma religion.
Ouais, Vagabond, ma religion, ça c'était avec André Bro que j'ai sorti ça, Subsonic. Je pense qui s'occupait de Culture Connection. Ah, ok, ouais, Culture Connection. Ensuite, t'as fait SP Micro Drive-By. Yeah, ça c'était avec Silence d'Or. Ça c'était avec Silence d'Or. Et French America. Ça c'est like KM Production. That's us, that's me, that's my boy. Yeah, je l'ai bien aimé, man. Ok, c'est là que j'ai vu, ok, you still got it. Comme t'as toujours cette fin-là. T'as donné des gros tracks. Celui-là avec K-Ben, j'aime bien. Il y a quelques chansons que j'ai rejouées là. J'aime le titre aussi. Ok, fait que là on va entrer dans quelques histoires. Rest in peace Joe BG, man. Yeah, man. Ça c'est quelqu'un qui a travaillé avec toi. Yeah. Je l'ai croisé quelques fois à travers toi. Je le connaissais pas. J'avais pas vraiment eu le temps de le connaître comme ça malheureusement. Avant qu'il décède. Fait que c'est dans un feu. Yeah, il est mort dans un feu, man. Il dormait. Ouais. Puis c'est comme. Ce qui est messed up, c'est que je suis le dernier qui l'a vu, tu vois. Il était chez nous. Il était chez nous, man. Il était chez nous, puis comme. C'est vraiment messed up, man. Ça, c'est messed up. Il était chez nous, puis comme. Il était venu chez nous parce que. Il fallait qu'il donne les masters de l'album, bro. Il fallait qu'il donne les masters de l'album. Son album, hein, lui. Mais il voulait pas donner les masters. Il était comme, yo, il faut que tu me dises que c'est bon, man. Mais il était trop minutieux, toi, lui. Comme il dit, tu me dis quelque chose, je vais chez nous, parce qu'il y avait le studio, je m'en vais chez nous, puis je change live, là. Même si j'aurais dit, yo, change ce mot-là, il l'aurait fait. Tu sais, comme il était about it, comme ça, toi. Puis il était comme, yo, man, comme je suis pas satisfait, je dis, yo, bro, man. Next one's gonna be better, bro. Tu comprends? Puis le gars, il voulait comme donner the best album. Fait qu'on a écouté l'album, bro. On a écouté l'album. Yo, il était rendu 4h du matin, G. C'était moi, puis lui, je me rappelle, j'habitais à Pointeau, j'avais une maison, G. Puis on écoutait l'album, puis comme, il était tard, man, ma petite dormait, whatever, je m'en rappelle pas. Puis comme, il me regardait, puis j'étais comme, yo, c'est bon, man. J'étais comme, c'est bon, bro. L'album est bon, bro. C'est bon, donc. Le monde diront ce qu'ils veulent. J'ai, we don't care, bro. We don't care, man. Ça sort, puis c'est bon. Prévision locale, j'ai. Puis j'écoutais, on bombait. Ouais, c'était ça. Track avec Impost, bye, les partners. Yeah, vous aviez un track. Ouais, un cool track. J'écoutais les bagages. J'étais comme, yo, l'album, il bump, là. Yo, t'es fou, toi. Ils sont même pas prêts, là. Puis là, comme, il est parti, je m'en rappelle, parce que puis je regrette ce moment-là, G. Pour vrai, là, ça, je regrette ce moment-là, for real, parce que j'étais comme, yo, il était devant ma porte, puis comme ça se voyait qu'il voulait pas partir, tu sais. J'étais comme, yo, vas-y, G. Tu sais? J'étais comme, yo, vas-y, man, arrête, là. C'est bon, là. Comme, là, c'est bon, là, l'album est bon. Ouais. J'étais comme fâché, même. J'étais comme, yo, c'est bon, là. Comme, arrête de stresser pour ça, là. C'est ça, ouais. C'est bon, là, comme, tu sais, puis là, il est comme parti, j'étais à la porte comme ça, puis j'ai attendu, tu sais, j'ai attendu qu'il rentre dans sa machine, parce que sa machine était parquée droit devant, là, comme ça. Moi, mes marches étaient là, puis sa machine était là. Puis j'ai regardé le panneau, puis comme, il m'a regardé, puis je l'ai regardé, puis j'ai dit comme, c'est bon, man. Puis il m'a dit, yo, c'est bon, Jay. Puis il est parti, puis il est mort, Jay. Puis j'avais les Francofolies comme la journée après ou quelque chose comme ça, Jay. Puis il performait avec moi, Jay. Ah, man. Puis check ça, man. On est au Francofolie, puis comme Joe, il est pas là, puis je suis comme, yo, c'est impossible, Joe BG est pas là, Jay. Puis là, il est comme, yo, Joe, il est pas là, whatever, man. Yo, shit, fuck, yo. Fait que je suis comme, OK. Il est pas là, Jay. Il y a du drame. C'était un partenaire qui avait beaucoup de femmes, tu sais. Fait que des fois, il y avait du drame avec plein de femmes. C'est comme, OK, il va être d'autres. Il y avait plein de femmes, Jay. Fait que des fois, il y avait du drame avec 4-5 femmes en même temps, là, comme il en pouvait plus. Fait que il shuttait down le phone. Il fermait son phone. Fait qu'on fait les Francofolies, Jay. Après les Francofolies, tu sais, comme, on s'en va manger au restaurant avec une coupe de partenaire, pis ci, pis ça. Puis comme là, il est sur son phone comme ça, G. Puis il est comme, yo, t'as parlé à Joe, man. Puis je suis comme, yo, je te mens pas. Il prend son phone, là, puis c'est des images de TVA Nouvelles ou je sais pas quoi.
avec le bloc à Joe, avec des flammes, man, jusqu'au ciel. Oh, shit. Et on dit, moi puis Cass, on se regarde, on se lève debout, man, on saute des machines, on roule chez Joe, man, on s'envole devant chez Joe BG. Et on, tout est flambé, man. Tout est flambé. C'est déjà comme fini, là. L'affaire est déjà finie. Puis ils disent qu'ils ont trouvé tout le monde. Ils ont trouvé tout le monde. Tout le monde est safe, nanana. OK, OK. Comme, puis que la seule personne qui manquait, c'est Joe, man. Ah, fou, man. OK, mais écoute, man, c'est pas ça le pire, G. Fait qu'ils pensent que tout est chill. Ils pensent que tout est chill, nanana. Son auto est pas là, quoi. Son auto est pas parqué en avant, whatever. Mm. Fait que tout le monde se dit, OK, il était pas à la maison. Mm-hmm. Parce qu'il est toujours avec sa machine. Là, ils font le tour du bloc, G. Yo, son auto est parqué en arrière, G. Quête. Les pompiers ont défoncé la porte, je pense. Puis ils ont trouvé le patinet, G. C'est comme ça qu'il, comme, tu sais, fait que c'est arrivé, puis comme tout le monde est comme, yo, ça fuck le game un peu, ça fuck notre game un peu, ça. Mm. Ça a déstabilisé les teams un peu, parce que yo, bro, c'est comme... Après ça, c'était tout le... Comme je voulais même plus sortir son album, puis comme... Mm. C'est le gros débat pour ça, puis comme, tu vois, j'ai sorti l'album parce que je pouvais pas le sortir. Mm-hmm. J'ai dit, yo, you want me to put this out, right, man? C'est comme, I don't wanna, like, you know... Puis comme j'ai sorti ça, on a essayé de faire faire ça le plus politically correct possible, ouais. Man. Puis ça a été ça. J'ai jamais poussé son album plus que ça parce que ça devient comme... C'est ça. C'est comme, je sais pas comment expliquer ça. C'est comme, on a toujours eu un feeling de comme, on peut pas... Le patin est plus là, comme, puis comme, c'est... Pousser ses affaires, c'est dur, faire ça, pour comme... C'est ça. Le seul regard, quand t'es parti, puis il t'a regardé, c'était comme le OK pour dire, OK, le produit, he's ready to go out. And that's about it. Au moins, on le sort. Ouais, puis... man, comme le master, je l'avais dans mes mains, tu vois. Mm-hmm. Il m'a laissé le master ce soir-là. Joe BG, prévision locale, là. Mm-hmm. Tu sais, puis comme... C'était ça, là. C'était ça, le plan. C'était genre un deadline, là. C'était comme la date finale, là. Genre, la date finale, yo, j'ai besoin de ça dans les... Deux prochains jours, sinon ça peut pas sortir telle date, genre, tu vois. Mm. Fait que il était sous pression, man, tu sais. Fait que je sais pas, man. On sait pas où est-ce que le feu est parti, puis on sait pas comme. Il s'est pas réveillé, tout, l'alarme est partie et tout, tu sais. He was knocked out. Peut-être qu'il était knocked out, tu comprends, il était vraiment fatigué. Parce que moi aussi, je suis un gars que comme. Je combats tout le temps le sommeil. Mais quand je tombe, là, je tombe, man. Tu sais, comme, je combats tout le temps le sommeil. J'essaie de jamais... C'est pas que j'essaie pas de dormir, mais j'ai toujours de quoi faire. Mm-hmm. Tu sais, fait que, comme... C'est un partenaire comme ça, tu sais, fait que, comme... Je pense qu'il était juste vraiment knock-out, man. Parce que quand ils l'ont trouvé, le gars, il était comme juste... Il était couché zen, you know? Tu sais, il y avait du sang, mais, you know, il était zen, you know? Il était comme, you know? Fait que c'est pas comme s'il avait bougé, qu'il avait fait, tu sais, il était bien. Fait que c'est ça. R.I.P. Yeah, rest in peace to him, man. Parce que quelques années plus tard, toi, tu t'es brûlé aussi. Yeah, man. Une couple d'années plus tard, je me suis brûlé, man, au troisième degré, man. J'ai fait comme mon bras, tout mon chest. Qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais à manger? Aïe, ah, man. Pendant l'affaire de Munch, ça a été question. Vas-y, vraiment, Munch. Yeah, OK. This section is brought to you by Munch. Yeah, this section is sponsored by Munch. Sponsored by Munch. Donne-moi le... Y'a le mojito. Ouais, c'est parfait. J'ai bien aimé mon petit jus Oasis, moi. Ah, man, je faisais à manger, man. C'est messed up parce que... Tu vois, ma petite, là, yo... Il était comme... Il était tard, man. Il était pas tard. Il était comme 9h, 10h, man. Puis comme, elle dit, j'ai faim, papa, man. Puis comme, j'ai dit, yo, il est 10h, man. Tu vas prendre un bol de céréales, on est belle. Tu sais? Mais comme, yo, je veux une poutine. Là, moi, comme un cave, man. J'ai des poignées de l'huile, man. Tu sais, il faut pas faire de la bouffe en l'huile, tout ça. Ouais. Je venais juste de faire la lessive.
Je vais juste faire le lavage, mais il y a du linge que j'accroche, you know, parce que j'aime que... Ouais. Ce linge-là, j'aime qu'il sèche comme ça. Il y a du linge que tu sèches dans la sécheuse. Il y a du linge que tu accroches. Puis j'avais accroché des affaires, c'était mouillé, tout ça. Puis j'étais en train de faire des frites, man. J'avais mis trop d'huile dans la marmite, premièrement, G. OK. Fait que quand j'ai mis les frites dans la marmite, l'huile a comme monté encore plus, mais comme j'étais comme bon... Ça va splish-splash, mais bon. On va être belle, là. Ça, va... je fais une petite portion de frites. Je fais une petite affaire de frites, fait qu'on est bon, là. Bref, man, yo, la... Le frying pan était frying hot, man. Puis comme j'ai mis les frites là-dedans, puis comme... Il y a eu comme un genre de flamèche, comme que... Fait que là, la marmite était déjà en feu. Le feu est déjà pogné, là, comme... J'ai mis l'huile comme ça splish-splash, puis comme la marmite en feu, il y avait comme une flamme à peu près... Mettons ça, c'est la marmite, la flamme était peut-être haute comme ça, tu vois. Puis comme j'ai appris quelque chose ce jour-là, man, c'est que t'éteins pas de l'huile en feu avec une serviette mouillée, genre, tu comprends? Fait que moi, premièrement, j'étais torse nu, tout ça, puis comme je voyais que le feu commence à pogner, fait que j'ai enlevé la marmite, je l'ai mis à terre. Puis comme je cherchais quoi pour l'éteindre. Là. T'as pris les vêtements. J'ai pris les vêtements mouillés, puis je me suis penché par-dessus la marmite, puis j'ai mis l'affaire dessus, puis ça a explosé, G. Ça a explosé, man. Ça a même, j'avais la face brûlée un peu, mais ça a guéri vite, parce que j'ai back-up comme ça, mais ça a eu le temps de tout me brûler ici. Shit! Tout ça, c'est... C'est burnt, là, c'est shit! Yeah, fait que, yeah, man, fait que là, c'est ça, man, c'est shit. Ça. Shit, c'est real. Mais le feu, ça a duré comme c'est resté jamais sur toi? Pour vrai, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Je me suis réveillé des fois, là, puis comme je pouvais pas bouger, puis comme je me tournais, puis à la télé, je voyais des... Il faisait des reportages chez Feu de forêt, là. Ouais. Comme je tombais presque à sa connaissance, man, juste en voyant les flammes. Wow! Là. Juste en voyant les flammes. Puis j'ai vu des personnes âgées à côté de moi en train de vivre les mêmes traitements que moi. J'étais comme, damn! C'est traumatisant. It's painful, bro. Ouais, ouais, ouais. C'est traumatisant, là, j'ai vu une grève de faux, parce qu'ils ont tout à... Ils occupent comme des machines, puis ils ont comme... Scrape la peau d'ici, man, puis ils ont mis ça sous mes bras ici. Ça, c'est la peau de mes cuisses, là, ici. Oh, là. Wow. Straight up. Ça, c'est mes cuisses right here, man. Oui, j'ai entendu, ils font ça vraiment. Ouais, c'est fucked up, man. It's crazy, man. You survive that, man. Yeah, man, for real. OK. So, c'est vrai, DJ Crowd, c'était ton DJ aussi. Ça, c'était 13D? Yeah. DJ Crowd. Avant DJ Crowd, il y avait Man Spino. Man Spino. Il y avait Man Spino qui était là pendant une couple d'années, you know what I'm saying? Ouais, I remember. Et après ça, il y a DJ Crowd, man. DJ Crowd. Avec DJ Crowd, j'ai fait beaucoup de mixtapes, man. J'ai fait des mixtapes. Ouais. On était les Mixtape Kings. Je m'ennuie de cette era-là de mixtapes qu'on pouvait prendre les instrumentales de n'importe qui, puis juste... On sortait ça, puis comme, yeah, j'ai slang 9 mixtape, man. Like Crowd. Ouais, j'ai comme, quelques feats dessus. Yeah, je me rappelle de On Pisse de Boot. Crowd, c'est ça. Mon G, c'est encore mon G. C'était sa fête à sa fille. Il y a 2-3 jours, j'étais avec lui. You know, so shout out to my big boy Crowd, you know. Shout out. Yeah, OK. OK, so ça, c'est pour la discographie de Sans Pression, plus ou moins. Fait que là, the first story we're gonna get into, c'est que You mon cob. L'autre panier, il arrête pas de dire que tu me dois du cob, I don't know. Est-ce que t'as quelque chose à dire sur ça? Il avait fait un gros campaign sur que tu me dois du cob, You mon cob. Pour vrai, moi, je dois pas de cob à personne. C'est moi qui devrais dire à tout le monde You mon cob, tu comprends? Ooh, shots fired back. You know what I'm saying? Fait que comme pour ça, c'est comme... Comme, si tu veux du cop, tu fais tes papiers, man, puis tu fais de la musique, puis comme ça arrive à tous les 6 mois dans ta boîte à mal, you know what I'm saying? You know what I'm saying? See, that's how it works, man. It's comme, it's talk big boy shit, for real. Mais là, parce que je sais que c'est comme, vous êtes des frères en même temps, fait que les frères, ça se tiraille.
Mais est-ce que là, présentement, est-ce que vous, you guys are on speaking terms? Est-ce que tu parles à Ticket présentement ou vous parlez pas du tout? Je parle pas avec Ticket. Ok. Vous avez pas d'une relation. Je sais que vous étiez revenus ensemble avec, brièvement avec des maniaques. Moi, j'ai essayé de tendre la main au partner. À travers Chaudy. Comment ça s'est fait ça? C'est Chaudy qui vous a checké? Pour l'album, comme, au Franco. C'est le 20e de Sans Pression. C'est le 20e de fucking de 54-50. Puis, non, c'est un temps pour comme. Lui, comment Ticket est revenu dans ma vie, c'est quand je t'ai brûlé, man. Ouais. Ah oui, c'est vrai. J'étais weak, c'est la drogue, man. Puis j'étais pas tout là, man. Fait que j'ai mes réflexes, c'était pas 100. You know what I'm saying? C'est comme ça que moi, je le vois, j'ai. Parce que t'es arrivé à l'hôpital, man. J'ai des Odile, je sais pas quelle drogue, man. J'suis high as a fuck, je suis faible, man. J'suis comme, puis il arrive avec son enfant, puis avec Carlos Guerra. Puis comme il vient de me dire what's up là-bas, man, quand je suis tout fucked up, je suis comme ok, c'est bon. Puis c'est le 20e de Sans Pression, fait que je suis comme right, on. Et là, je suis sorti de là, je sais pas trop ce qui t'est arrivé, man. J'ai fait 2-3 moves, comme ça, avec le partner pour cet album-là. J'ai fait une track avec lui, c'est bien passé, you know what I'm saying. Après ça, les mêmes patterns de back in the days ont commencé à se présenter, you know what I'm saying. Les patterns de back in the days, you know. Fait que comme, à partir de là, il y a un moment donné, quelque chose est arrivé, c'est la goutte de trop. Je suis rendu un grand monde, tu sais, comme puis une autre affaire, c'est comme j'aimais pas non plus l'énergie qui se propageait, man. C'est comme moi j'essaie de m'entourer de monde qui I like to see people win. Moi j'aime voir le monde gagner, tu vois. Quand je vois quelqu'un gagner, j'adore voir quelqu'un gagner. J'essaie pas de vous comme même des fois des ops, je suis content quand ils réussissent, même si c'est un ops, c'est comme. On peut avoir des affaires personnelles, mais si t'as travaillé, puis comme, yo, j'aime voir le monde réussir, tu sais, comme, puis comme, j'aime pas l'énergie négative, you know? Puis comme, j'essaie de parler à un Bredgen pour que, comme, parce qu'il y a du monde qui sont incorrigibles, they don't want to learn. Tu sais, comme, je peux pas continuer à essayer d'aider quelqu'un qui veut pas s'aider lui-même, you know? Fait qu'à un moment donné, j'ai juste fait comme, yo, do your thing, I respect your grind, you know? See, that's your energy. That's what you want to put out there. That's what you're going for. Nah, then do your thing, bro. But don't bring that shit around me, man. You know what I'm saying? Because I don't walk with goons, man. T'sais, moi, je marche pas avec des goons, là. Moi, je suis un gars, je suis un free, là. I don't need to... Je watch même pas mon back, j'ai... Comme j'ai du monde qui watch mon back pour moi, j'ai. Ils sont invisibles, j'ai. Je watch pas mon back, moi. J'ai pas besoin. J'ai pas de beef avec personne. Si quelqu'un a beef avec moi, yo, appelle-moi, puis on va régler ça, j'ai. On va parler. Quand je dis on va régler ça, comme, des fois, je dis on va régler ça avec du monde, puis ah, yo, c'est des menaces. Ils pensent que je, comme, yo, on va régler ça, man. On va régler ça pour for real. Le monde sont vite pour prendre leur esti de clavier, écrire des conneries sur Internet. Then they see me, they wanna come fucking shake my hand, yo. Pour vrai, là, comme moi, ça fait 2 ans, là, comme le monde, comme si tu veux parler de moi sur Internet, mec, tu me vois, là, tout ce que je vais dire, c'est répète, chier. Répète, c'est tout, man. Répète ce que t'as dit, G. Regarde-moi dans les yeux, puis je vais être drette, là. Répète, G. C'est tout, G. Répète. Si t'es bad that life, répète, G. Parce que for real, là, il y a du monde qui parle trop sur le net. Moi, j'aime pas parler sur le net. Quand je vais te voir, là, je vais courir vers toi. Mais je vais pas courir pour de bad. Je vais courir pour que tu te répètes, man. Devant tous tes boys, man. Répète, man. Puis s'il faut que je prenne, je vais prendre, man. Je m'en fous. Mais tu vas répéter, puis si t'es pas capable, puis quand tu vas répéter, ce qui arrive, arrive. You know what I'm saying? Je suis un grand monde, mais comme, il y a des places qu'il faut pas que t'ailles, puis comme, je suis pas pour n'importe quoi, je peux run up sur toi. Du monde qui vont run up sur toi, là, tu dis n'importe quoi, les gars, ils s'enflamment chez eux. Moi, ça va prendre beaucoup, là, pour que je bouge un orteil, man. Ou que je gaspille une goutte de salive. Ça prend beaucoup, tu sais. Fait que comme, il y a beaucoup de tintins qui se donnent dans l'air que je réplique pas, man. Parce que vous êtes complètement dans le champ, guys, man. Comme, y'all don't know me like that. Comme vous me connaissez pas, je suis un gars humble, je suis un gars simple dans la vie. I don't floss. You know, je suis pas millionnaire, je suis pas riche. I don't give a fuck, mais je suis heureux. Ouais, on le voit d'après ta chaîne. Explique-nous ta chaîne, 2 minutes. Yo, pour ça, que... c'est une chaîne que comme j'étais sur une... J'étais à
à Manawan, you know what I'm saying? C'était les funérailles de Joyce Ishakwan. You know what I'm saying? Shout out to Carole. Dans le coin de Sept-Îles, ça, la réserve. C'est juste dans le coin de Joliette. Ah, c'est Joliette, ça, OK. Puis comme j'étais au funérailles de Joyce Ishakwan, man, you know what I'm saying? Pour ceux qui savent pas, c'est qui Joyce? C'est la femme autochtone qui est morte dans un hôpital à Joliette, man. Puis le monde l'insultait pendant qu'elle était en train de mourir. Ça, c'est fou. Some crazy shit. Puis c'était un souper dans un sous-sol d'église là-bas, puis comme j'ai vu une femme là-bas, comme tu vois, puis comme elle était avec son mari, ses enfants, puis comme quand j'ai vu sa chaîne, j'étais comme yo, that shit's crazy, man. You know what I'm saying? Puis comme il manque de même des pièces parce qu'il y avait d'autres affaires, puis tout, you know? Puis j'ai juste dit, yo, la chaîne est crazy, man, for real, nice. Puis t'es comme yo, ça m'a pris je sais pas combien de temps à faire ça, je l'ai fait avec mes mains, ça m'a, tu sais, comme whatever. Puis j'étais comme c'est all good, puis je m'ai tourné comme une couple de secondes, là, puis que je me retournais, puis son mari était devant moi avec la chaîne comme ça. T'es comme ça, c'est pour toi. Wow. Puis j'étais comme oh, il dit mets ça sur toi, G. Puis comme je l'ai mis sur moi, puis avec l'expérience que j'ai vécue à Manawan, avec comme ce que j'ai vécu là-bas, c'était comme, je te dis, tu connais Luigi. Luigi la barrière. Si jamais tu parles, c'est soundproof. Yeah. Si jamais tu parles à soundproof, parle-y de Manawan. Parle-y de comme, you know what I'm saying? Tu sais, des fois, le monde, ils ont besoin de voir quelque chose pour le croire ou comme, ou le côté spirituel puis des affaires comme ça, des affaires plus deep, vraiment deep. Ouais. Comme, puis il m'a mis ça dans le coup puis comme, j'étais mal à l'aise, j'étais comme, mais non, bro, mais non. Puis il m'a dit comme, yo, garde ça sur toi, G. Powerful. Puis depuis ce temps-là, je rock ça, puis comme ça me garde zen. Ça me garde zen, je le porte. C'est rare, je le porte pas, parce que pour moi, il y a quelque chose, il y a une force. C'est quelque chose. Comme, des fois, il y a des choses que tu peux porter comme ça sur toi, parce que tu te sens d'une certaine manière avec, you know, you feel a certain way. Non, I feel you, ok. T'es en Afrique, tu sais très bien, bro. Ce partenaire-là est en Afrique, moi, j'ai même pas été en Afrique. But c'est une bonne explication pour la chaîne, I guess, pour les jeunes qui écoutent. Donc, it's not just about having ice and stuff like that. C'est significatif. C'est quelque chose de significatif, c'est symbolique. Fait que j'ai hâte aux autochtones du pays aussi. Mais t'avais fait un show aussi, mais quand j'ai dit dans le coin de Sept-Îles que t'as sorti un clip, une vidéo... Je viens de sortir un documentaire. Ça s'appelle Le Spectacle de la Nature. Oui, c'est ça. Ouais, ils viennent juste de sortir là, au complet. Il était où? Tu te rappelles, c'était où ça? Ça, c'était à Natashquan. Ça, c'est à comme 18 heures de c'est ça, c'est puis, ça. Yeah, man, c'est vraiment nice là aussi, man. C'est comme. Ça fait du bien des fois sortir de Montréal. Puis comme. C'est un autre vibe. C'est l'été passé, ça? Yeah. Y a l'été passé. Le premier couvre-feu dans le temps du premier couvre-feu. OK, OK. Elle est passée. Yeah. Puis il faisait froid quand même. L'autre bois faisait frais. Tu vois, t'es plus... t'es dans le nord, là. Non, man. C'est pas la fois que j'étais, il faisait pas frais, man. Non? Mais eux, là, ils aiment ça des moins 60, moins 50, man. Straight up, yeah, hein? Yeah, you love that. They love it, man. For real. Normal. Moins 50, normal. Moi, je suis pas down, là, mais... Mais non, c'est sûr, man. Ma facture d'hydro va être... vraiment salé, mais normal, ça. 50, normal. Mais c'est pas le foudé, je vois ce que t'es dans sous une tente, puis mon hymne, tu parles même de. Tu parles à un moment donné aussi du racisme aussi que t'avais vécu, whatever, ou même dans la chanson où est-ce que tu dis à un moment donné, exactement, genre, t'es pas pour raciste, pour me dire de retourner en Afrique, ouais, tu sais, dans ton ascension dans la game, est-ce que c'est des choses que t'as vraiment plus parlé? Parce que t'as toujours parlé du climat social, mais tu dirais que t'as pas vraiment mis de l'avant tes expériences personnelles, en fait. Ben, ouais, je m'implique souvent dans des affaires que je parle, tu sais, comme sauf que comme je m'inspire de tout et de rien, comme je m'inspire des fois à place de dire que je peux parler de moi mais à troisième personne, juste pour pas comme que ça soit visé sur toi, you know what I'm saying, comme mais il y a toujours un good and a bad side dans mes histoires, comme je suis pas un gars qui va glorifier des certaines choses, parce que pour moi, c'est comme... Si je le glorifie, je vais te dire le downside aussi. C'est comme... Je sais pas, man.
Je sais pas comment ça en allait avec ça. Je pense qu'il faut que j'arrête de fumer celle-là. Il est comme... The magic wood, hein? C'est le magic wood, ça? Yeah, c'est le magic wood. Yo, t'as vu, là, je commence avec à être gaillé. Ouais, ouais. C'est le magic gaillé. Wood, il s'en fait. Du magic wood, puis... Il a dit, yo, man, comme, de quoi le magic wood a effacé le racisme. Yo, magic wood, tu vois. J'ai gaillé, j'ai dit. Shout-out à magic wood. Shout-out, yeah. Straight up. Yeah, shout-out. OK. What else? On parle de le geste de Locolocas, on parle de ça? Oui, c'est vrai, symbolique. Ça, c'était symbolique, c'était légendaire. Bien. Quand ils ont fait ça, ils t'ont donné le Félix, c'était un Félix? Hein? Yeah, ils m'ont donné le Félix, ça c'était pour réplique aux offusqués, je pense. Mm. Ça c'est spécial quand même, tu sais, comme le Félix, je pense que je vais leur redonner l'année prochaine. Ah ouais? Hein? Pour le 20e de réplique aux offusqués, je vais redonner le Félix. À Locolocas. Mm. Ah ouais? Je leur redonne le Félix. Mais tant mieux, au moins tu l'as pas ponné. J'ai pas ponné, je l'ai gardé une vingtaine. J'ai gardé 20 ans. Là, j'appelle les partenaires, puis on fait une soirée. Mais on va faire une soirée pour ça, là. Ok, est-ce qu'ils le savent déjà ou? Non, c'est une exclusivité. Rap politique, damn, yo! Rap politique, man. Ouais, c'est comme ça. Le Félix, c'est chez mon père. Ok. Il est là, man. Parce que pour vrai, moi, avoir le Félix chez nous, je sais pas si je l'aurai encore. Comme toutes ces années-là. Je suis pas un gars, mais je suis un gars plus symbolique que matérialistique. Comme je suis un gars qui, comme. Tu l'aurais perdu comme, en déménageant. Comme, moi, je suis le genre de partner que, mettons, ma tablette tombe à terre, puis elle casse. Puis je perds une photo, que quelque chose comme. Ça va plus me faire chier que d'avoir perdu la photo que la tablette. Ouais. Comme je vais garder une photo bien plus longtemps ou une affaire que ma fille m'a donnée ou quelque chose que ma mère me donne. Ça, je vais le garder plus longtemps que... Comme le linge, là, je suis affreux, moi, avec le linge, man. J'ai du linge, j'en ai... Je garde pas de linge, je garde... Les gars sont, yo, tu mets tes nouveaux Air Force One, c'est pas de bas, man, tu mets pas de bas. Je suis comme, yeah, man, je m'en fous, man, je les ai achetés, tu sais, comme... Mm-hmm. Je les mets, je crasse ça, man, next. Ouais. Il y en a du monde qui garde leurs affaires, ouais. qui prennent soin, attention, leur casque. Moi, je fais pas attention à mes affaires, à moins que c'est symbolique. Mm. Si c'est pas symbolique, là... C'est du matériel. Même si c'est du Gucci ou du je sais pas quelle marque que tu veux, là, c'est sûr qu'il va y avoir des taches de spaghetti. And all that shit, je vais le rock 4-5 fois après, il est dead. Ouais, je comprends. T'es pas un gars qui magazine... Non, je m'en fous. Ben. Mais je suis pas de cette era-là. Moi, je suis du era que les rappers étaient grimy, que les rappers ressemblaient à Daz FX. Comme le rap a changé, puis je me suis adapté quand même au rap. Mais quand moi, je suis rentré dans le rap, tu le vois la pochette, on sort des égouts, man. C'est ça, 514-50, c'était deux partenaires qui sortaient des égouts, man. Puis comment... Puis c'était plus ça le vibe dans notre époque. Le rap a changé avec le temps, puis... J'essaie d'être plus swaggy, mais je laisse ça. Aujourd'hui, être swaggy, c'est quoi? Swaggy, c'est quoi? Mettre des jupes, puis comme des flu-flu, man. C'est qui tes goats à toi? Dans tes cheveux, man, hein? C'est qui tes goats à toi? Eric B. Rakim. Rakim, c'est un de mes plus gros goats. OK. T'as grandi. Après ça, je dois dire Tupac. OK. Tupac, c'est gros pour moi. Nas m'a beaucoup influencé. OK. Nas... Mobb Deep, ouais. Prodigy, Havoc, Mobb Deep, ça c'est dans mes... C'est comme ça, c'est... Il y en a d'autres. Puis aujourd'hui, t'écoutes quoi? Est-ce que t'écoutes la musique ou t'es juste tes beats, tes instrus, tu perds là-dedans ou... J'écoute un peu tout, man. C'est comme... Dans le temps, on écoutait des albums, tu sais. Ouais. Aujourd'hui, on écoute des tracks ici et là. Mais des fois, je trouve que comme... Je sais pas que comme c'est moins bon que dans le temps, mais des fois je trouve que comme ça tourne. Yo, sorry. My bad, man. Faut que je le ferme, moi. Quête, ouais, hein. Je pense que tu l'as mis sur mute, bye. Ouais, je pensais que je l'avais fermé. Et là, je le ferme. Ok. Mais comme. On parlait. Est-ce que t'es un YouTuber? Finalement, do you go on YouTube? Est-ce que t'es un gars qui va sur YouTube checker des clips ou t'es à jour sur l'actualité musicale d'ici et d'ailleurs ou même pas? Pas vraiment, Jim. Non. C'est mes enfants qui me gardent. Plus moi, je suis dans mon propre monde. Des fois, je suis peut-être off, mais comme je sais qu'est-ce qui est hot. Des fois, comme j'ai mes artistes, comme j'ai
En ce moment, j'écoute Jim Jones. J'écoute beaucoup de Jim Jones. Son comeback est hot. Lui, il est toujours là. J'écoute beaucoup de Jim Jones en ce moment. Ouais. Tu sais, c'est qui, Young Dolph? Yeah, Young Dolph. Mais je connaissais un peu avant qu'il die. Mais non, je connaissais pas tant que ça. Okay. Ça, c'est dommage que je découvre des rappeurs quand il meurt. C'est ça. Ça, c'est bad, là. Et Little Dirk, tu vois, c'est qui, ça? Little Dirk, yeah. Ouais, NBA Young Boy. Yeah. Petit vagabond, là. Ouais, c'est ça. Tu vas en prison. Ouais. Yeah. OK, tu connais quand même les noms des jeunes, même si tu les écoutes pas nécessairement. Yeah. Mais... Ouais, non, mais c'est important. Yes, it's not just a young man's game, mais c'est sûr que les jeunes prennent leur place. Moi, je trouve que comme, tu sais, moi, souvent, le monde me reconnaît par ma voix. Okay. C'est même pas par ma face puis tout ça. Puis qu'est-ce que je trouve qu'aujourd'hui, comme, je parlais de ça avec mon boy, c'est que comme je disais tantôt, je dis pas que le rap est moins bon que dans le temps, mais comme, je trouve que comme, l'identité vocale, c'est important, man. Je trouve que comme j'enregistrais deux petits jeunes l'autre jour, man, ils sont arrivés au studio, puis comme... Moi je suis un gars qui enregistre les voix raw. Ça, je mets pas d'effet. Mes voix, je les enregistre raw, là. T'as pas besoin de rien faire, là. Pas d'effet, rien, là. Pas de reverb, rien. Mes voix, je les enregistre raw. Puis là, les petits mounes, ils arrivent en studio, puis... Je viens pour peser record, puis comme... Ils chantent dans le micro, puis... Il est comme, yo, il n'y a pas d'autotune, man. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça les times. Mais c'est ça les times, mais attends. C'est ça les times, mais comme, il me dit, il n'y a pas d'autotune. Je dis, OK, man, tu peux... Il me dit, je ne peux pas rapper sans autotune. Puis là, son autre partner, il dit comme, moi non plus, je peux pas... Si il n'y a pas d'autotune, je ne peux pas rapper. Puis moi, pour moi, c'est comme... Je trouve ça comme... Je sais que c'est ça aujourd'hui, mais je trouve que c'est bizarre aussi. Parce que comme, pour moi, c'est comme... Je me fais souvent reconnaître par ma voix. Puis que je me dis que comme si tous ces jeunes-là, ils commencent à rapper déjà, puis comme ils ont besoin des effets, que comme... C'est ça. C'est comme ça fait que ça perd un peu de comme... Authenticité, c'est ça. Authenticité. Mais c'est ça, non, mais c'est dommage. C'est bon. Ça doit être terrible en show aussi de voir toutes les personnes qui doivent dépendre d'un effet pour performer. C'est ça, je trouve ça spécial parce que beaucoup de monde, ils disent T-Pain ci, T-Pain ça, mais T-Pain sait chanter. Il sait chanter même sans la machine, c'est ça la peine. Chante grave, T-Pain, tu sais, fait que comme. Au pire, allez, si t'es capable de faire ça, comme je le conseille aux jeunes, parce que c'est important, tu sais, comme d'avoir son identité vocale, puis comme, c'est comme quand t'écoutais du Cypress Hill, tu savais, là, comme Biggie Smalls, tu sais, Tupac, tu sais, tu comme, t'as même pas, même sans le flow, rien. C'est ça. Comme... Tous les 90s rappeurs, tu vois Busta Rhymes, c'est une catégorie. Ouais, Prodigy, ouais. Jay-Z, Nas. Tu reconnais leur voix. Ouais. Là, comme des fois, on me dit, yo, comme, est-ce que tu connais ce beat-là de Lil Baby? I'm like, yo, si tu Reach the Kid, Lil moi, Baby. Avec, tantôt, j'étais au barbershop. Ou Young Thug qui chante. C'est-tu Drake ou. J'étais comme, c'est-tu du R&B ou il chante, man? J'étais plus sûr. J'étais sûr, man. C'est quoi, c'est du trap soul? J'étais plus sûr si c'était du R&B parce que le gars, il chantait comme beaucoup, tu sais. Puis même moi, j'ai pas le choix de suivre le tempo puis comme chantonner plus. Tu sais, je chantais déjà dans le temps, mais c'était plus dans mes hooks. Bon, aujourd'hui, chantonner, c'est normal, puis c'est comme ça. Mais ça reste quand même que ceux qui sont quand même dans le top restent quand même ceux qui ont quand même cette identité-là, comme on parle de J. Cole, James the Rapper, Kendrick, Drake. Tu vois que c'est pas eux qui vont dépendre. Fait que tu vois qu'il y a une grande majorité de ceux qui vont être là, ils vont avoir des views, mais ceux qui restent quand même les top rappers... reste quand même ceux, à part Future que lui, il a créé son lane, mais Future, c'est comme peut-être le Godfather aussi de tous les... C'est qui le top? C'est Drake le top, man. Ouais. Qui ça, Drake? C'est qui le top rappeur, man? Oh, c'est Drake. C'est Drake. Drake, là. Ouais. Tu peux hate Drake ou pas, Drake fait tout. Moi, j'ai hate Drake un peu au début, mais ça n'a pas duré longtemps. Ah ouais? Parce que j'étais encore dans le Degrassi, puis ça a pris du temps. Ouais. Parce que j'écoutais Degrassi, fait que ça a pris du temps comme pour moi. Comment tu l'écoutais, vraiment, toi? Quand je l'ai vu à côté de Lil Wayne, j'ai eu de la misère à comme. Puis ça a fait ça au Canada au complet. Ça t'a fait mal, puis Drake a comme smack tout le monde, j'ai. Le smack est encore. Il fait encore mal aujourd'hui. Ouais. Toi, t'as jamais eu de track avec des gens de Toronto?
Oui, j'ai fait un track avec Maestro Fresh West. Oh, wow! Le track s'appelle Rien d'artificiel. No way! Yeah, avec Maestro Fresh West. Yo, goat là! Mic check. J'ai fait aussi une track avec une couple de personnes, mais Toronto aussi, on n'a pas toujours une bonne des bonnes relations. Non. T'as jamais fait avec Classified, hein? Non, lui, t'as jamais... J'ai fait des shows avec Classified. Ok, j'ai fait des shows, ok. Mais dans le temps, comme il y avait cette affaire-là, parce que quand j'étais jeune, mon grand frère, il rappait, tu sais, Miz, il rappait, puis il disait, il parlait toujours ces gars de Toronto, puis comme il jouait tout le temps à ça, comme il disait souvent, ah, il y a des gars de Toronto, si, pis ça, tu sais. Mm. Fait que souvent, quand des gars d'ailleurs venaient, comme moi, j'étais jeune, j'étais rowdy dans ce temps-là, puis je montais ces stages, puis je faisais du ruckus avec, mettons, Swollen Members. Mmh. Même Maestro Fresh West, avant de faire une track avec lui, tu sais, dans le temps, on intimidait les rappeurs, on faisait pas rien. Mais j'ai déjà joué à ça avec Maestro Fresh West, ah ouais, man, parce qu'il était juste là, puis j'étais comme, yo, man. J'ai dit une connerie comme Nice Chain, bro. Oh. Puis il était comme, yo, chill, man. Puis comme, il était humble, puis comme, j'étais comme, je me sentais cave, là. J'écoutais sa musique, j'aimais son shit. Moi, le monde m'ont fait ça plein de fois. J'étais jeune, bro. Oh. J'ai entendu une histoire quand t'étais en France, back to the France. Cerveau avait mis ses verres de contact déjà dans un verre d'eau. Je sais pas, man. Il avait oublié son liquide pour les verres de contact. Fait qu'il a mis ça dans un verre de contact. Tu as oublié le liquide. Et puis, lui, il a bu le verre d'eau. Avec les verres de contact qui étaient dedans. Yo, ça, c'est possible, for real, ça se peut que j'aie bu un verre d'eau avec les verres de contact à cerveau. J'ai que t'as entendu parler de l'histoire. Non, mais... jamais, bro. J'ai jamais entendu parler de ça, jamais, bro. Yeah, mais c'est checker avec le cerveau. Yeah, je vais checker ça pour vrai, parce que... T'as bu ces verres de contact. J'ai bu un verre d'eau avec les verres de contact à cerveau. Oui. Arrête. Oh my God. Je sais pas où t'es français. Je suis après fabriqué de céramique. Non, t'étais fucked up. I know you got that one. Yeah, yeah. For real, man. Puis il y a même une fois, tu voulais sauter dans la piscine du balcon. Parce que vous étiez dans un hôtel à un moment donné. Non, mais ça, je l'ai fait. J'ai pas voulu, je l'ai fait, ça. Mais ça, il me semble qu'il t'avait retenu à un moment donné. Cette fois-là, oui, man. Mais l'autre fois. Là, les autres fois, okay. Non. Oh, on était jeunes. Yeah, you only live once. Je ferais pas ça aujourd'hui, là. OK, ouais. OK. Mais dans le temps, c'était... Comme je t'ai dit, j'étais rowdy. Je faisais pas mal à personne, G. Mais tu sais nager, toi. Yeah. Même, je me rappelle, on était jeunes. Aujourd'hui, le monde, il se plaint pour la neige. Quand j'étais jeune, on sautait des... À Anjou, on montait en haut du bloc appartement, puis on sautait dans la neige, comme du toit, là. Straight up. Dans les bancs de neige, il y avait de la neige, G. Ouais. C'est rien aujourd'hui. Rowdy. Yeah, we jump off the roof, man. Comme, avec deux, trois Québécois fous, là. Comme, c'est ça. Fait que tu sais patiner aussi? J'ai patiné, je sais juste pas comment arrêter. J'arrête mal, man. T'étais un joueur de basket, toi, il me semble. Ouais, J'ai joué au secondaire. You know what I'm saying? J'étais pas le meilleur, mais comme j'étais... Mais t'étais grand, t'étais comme un forward, genre, numéro 4, Yeah. J'ai joué au basket à Saint-Bruno, actually. Yeah. L'école là-bas. Puis... T'as déjà doublé? Ouais, j'ai doublé beaucoup, man. J'ai doublé... Je pense que j'ai doublé ma première année, ma troisième année. Toi, hein? Ma sixième année. Oh, wow. OK. Secondaire 2. Okay. Secondaire 4. Oh, shit. Ça a pris du temps, G. Straight up. Mais tu l'as fini. Yeah, finish, man. Yeah. I made the finish, là, yeah, bro. Shout out to you, bro. Yeah, je parlais pas français quand j'ai commencé comme drastic, là. Yeah. Switch en français, là, demain, là. Fait que ça a été rough. Yeah. Je sais que quand la COVID est sortie, il y avait un reportage sur ton père, comme s'il était venu avec... De quoi pour combattre? Ouais, man, j'ai juste dit que mon père travaillait sur un médicament pour le COVID, puis ça a parti en couille, là. Tout le monde a commencé à dire que mon père, il avait le remedy. Yeah, là. C'est mon ça. Père, by the way, mon père n'a pas aimé ça. Il n'a pas aimé ça, cette bad press? Mon père, il n'a pas aimé le shine du tout. Non, il voulait no shine de ça, là.
Tu vois, moi, j'ai ouvert ma grande gueule. Là, comme... C'est pas un vidéo de rap. Mais qu'est-ce que tu dis aux gens, toi? Le monde l'appelait de l'Afrique, man. Partout, man. Le monde l'appelait de partout sur la planète, man. Il est capoté, il fallait qu'il ferme son fond. Le monde l'appelait de partout, bro. Il est devenu fou, man. Il est pas devenu fou, mais il a pas aimé ça. Il voulait pas faire ça. Tu sais, parce que c'est un chercheur, mon père, tu sais. Fait que, je me rappelle quand j'étais jeune, une fois, il m'a amené à son laboratoire, tu sais, puis comme. Puis c'est une des premières jobs que j'ai jamais eu de ma vie. Je faisais de l'entretien ménager pour l'Institut de recherche de Montréal. Tu vois, c'est parce que. Ouais. Parce qu'il y a plein de monde, et puis moi, j'allais dans leur bureau, puis je vidais les poubelles, puis je passais le balai. Là. Puis, man, je me rappelle, j'étais jeune, puis il m'avait amené sur un étage, puis c'était le sida. C'était comme l'étage sida, là. Straight up. Puis comme il faisait des recherches là-dessus, tout le monde là-dedans, puis comme... Je me rappelle parce qu'il avait pris un rat. Le rat était vivant, là, puis il a dit, dans ce rat-là, je vais le mettre dans la machine, puis dans une seconde, là, le rat va être comme sec. Il n'y aura plus une goutte de liquide dedans, genre. C'est fait qu'il a mis le rat là-dedans, il a pesé un bouton, man, il a sorti le rat, il était juste comme... Mais il avait... Tout le liquide du corps du rat était comme rendu dans une affaire. Puis, je me rappelle, j'étais jeune, j'étais comme, oh shit! C'est ça, c'est une petite affaire, je me rappelle comme ça. Puis ça t'a jamais inspiré de rentrer dans ce domaine-là? Non. Suivre les pas du père, non? T'sais, le pire, c'est quand une des premières jobs que j'ai voulu être, c'était policier, pompier. Ah ouais, classique quand t'es jeune. Policier, pompier, classique. Ça a changé très vite, man. Mais oui. Comme 7, 8 ans déjà, comme non. Jamais déjà pu la police à 7 ans. Ça, c'est pas parce qu'il m'a fait quelque chose à moi, c'est parce que j'ai vu des affaires se faire à des frères, à mes frères ou des affaires comme ça. Comme Sherbrooke, je me rappelle une fois, mes deux grands frères sont revenus à la maison, man, blood partout. Ça avait fait battre par des blancs skinheads, là. Ah ouais? Ah, Sherbrooke, là, mon frère, c'est pour ça, Miz, c'était un peu un black power, pas black power, mais un activiste, tu sais. Yeah. Tu sais, parce que lui, quand on est arrivé à Sherbrooke, là, yo, c'était fou, là. Je me rappelle, je connaissais peut-être un hindou, là. C'était pas un amérindien, un hindou, là, de l'Inde. Ouais. Puis, on était les seuls, là. Il y avait moi, puis cet hindou-là, là. Puis pour vrai, des fois, mes frères revenaient de l'école. Eux, ils étaient peut-être au secondaire, je sais pas. Moi, j'étais Timon. Mais ils revenaient de l'école, là, comme pété, là. Comme pété, là. Ils s'avaient battu, là. Puis c'était longtemps à cavalier, la salle. Mon grand frère, encore, il se battait, les skinheads, si ça. C'est les Noirs contre les Blancs, après les Français contre les Anglais. Comme, yo. Moi, c'était confusing, là. Parce que je chillais avec des Anglais. Avec la salle qui aimait pas les Français, mais j'allais à l'école française. Puis là, eux autres, pour eux, c'était comme, yo, hey, Sean Boy, you. Puis moi, j'étais le petit Haïtien. Il m'appelait l'Haïtien. C'est ça. Même je leur disais que j'étais Africain, là. Eux autres, c'est comme. We don't care about what you say. Dans ce temps-là, c'était comme les Haïtiens, ils aimaient pas les Jamaïcains. Yeah. Les Jamaïcains, ils aimaient pas les Haïtiens. Les Français, yo. Quand tu penses à ça, il y avait beaucoup de comme. De division déjà. Division déjà, là. Ouais. C'était fou, là. Tu sais, fait que, yeah, moi, I made my way through all of that bullshit. Puis aujourd'hui, c'est comme... that makes what you are today. Fait que j'ai peut-être une ouverture d'esprit à cause de ça, parce que t'as vu les époques. J'étais sur ces deux côtés, tu sais, ça. Puis les skins étaient vraiment une époque, là, tu sais. Même quand tu dis, je suivais des Bélanger, de Master B, ils étaient comme les tontons Macou dans les rues quand j'étais petit. Mais quand tu vois ces mouvements-là au début, c'était vraiment contre, justement... Le racisme, voilà, back then, whatever, là. Fait que, c'est une époque que nous, on grandit puis on sous-estime un peu, tu sais. Oh, moi, j'étais traumatisé, man. Moi, pour vrai, au secondaire à Saint-Bruno, là, comme là. Puis là, tu vois, là, je suis rendu plus loin. Là, je suis rendu à Saint-Bruno, mais Saint-Bruno, swear to God, là. Je me rappelle d'une année, là, que je te mens pas. Chaque jour, quand je sortais de l'autobus, là, j'avais un skinhead dans ma face comme crise de nègre, retourne en Afrique, tu pues la marde, man. Oh, comme ça dans ma face, j'ai. Eh boy, hein. Comme je me rappelle,
tous les jours. À Sherbrooke, là. Non, 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 Saint-Bruno, G. Saint-Bruno. Saint-Bruno, G. Maintenant, on s'est révolté, G. Yo, on... C'est comme... Il y a un partner qui avait pété un de mes boys, man. Puis, comme, puis le gars, c'était le chef de l'équipe de hockey de Saint-Julie ou whatever. Fait que, whatever, les choses sont arrivées. Puis, oh, ça, c'est comme, c'est ça, tu sais, comme ça, c'était même dans le journal, là, comme dans le journal local, si pis ça, quelqu'un. Puis là, il nous mettait nous comme les bad guys. C'était comme 8 élèves sèment la terreur sur 3000 élèves. N'importe quoi. C'est comme, il faisait comme si nous, comme, c'est nous, les, la petite clique hip-hop, semait la terreur sur, quand c'est nous qui se faisait comme, qui se faisait fucking yo. C'était hard, là, moi, pour vrai, là, j'allais à l'école, là, pis comme, quand je sortais du bus, là, ou quand je rentrais dans le bus, ou n'importe quoi, là, même des fois, je rentrais dans mes cours, pis les professeurs, t'es comme, ça va, Kamanga, ça va? Qu'est-ce que ça veut, là, que ça se passait dans le couloir, là? Comme, c'était, yo, Saint-Bruno, là, comme ça, pis ça, c'est pas si loin que ça, Saint-Bruno, fait que c'est comme, yeah, man, Saint-Bruno, là, j'ai des bons pis des mauvais souvenirs, parce que, pour vrai, là, j'ai été rejeté là-bas, man, comme, hard, man. Mais tes hard. Premières blondes étaient là aussi, hein? Sûrement. Tes premières blondes étaient là aussi. Yo, moi, je suis pas un blonde, man. Moi, je suis pas un gars qui avait des blondes, man. Moi, j'étais un gars taillé, puis c'est that's it. J'ai comme, pour vrai, straight, for real. Comme, puis même jusqu'à aujourd'hui, je suis pas un gars de blonde, là. Je suis pas un gars comme... Je suis dur à vivre, fait que c'est comme... Je sais comment je suis, ça, fait que c'est ça. C'est même pas parce que j'aime courir après des filles, je suis juste hard to deal with, man. C'est comme ça. Puis je suis un passionné de ma musique, puis ma musique va passer avant n'importe quelle femme. C'est juste mes enfants qui passent avant ma musique. Par ça, là, y a pas une femme qui, tu sais, comme, puis je me... C'est la Saint-Valentin, mais yo, moi, j'ai un track à faire, je m'en vais. Je vais au studio, featuring, bro. Non, si c'est à Saint-Valentin, puis c'est juste, j'ai une idée, faut que j'ai un studio. Non, yo, okay. J'ai un track, il faut que je finisse avec Cyrano, je peux pas aller dans des... Non, s'il faut que je finisse avec un track avec Cyrano, c'est sûr que la femme, là... What? Petit frère, reste à maison. Petit frère, cousin, pas grand frère. Yo. Straight up. Wow. Fait que t'es pas un gars relation comme ça. Mais il me semble, il y a pas trop longtemps, il y avait un coup de foudre avec une youngin. Ouais, c'était love, man. Mais comme ça dure jamais, moi, man. J'suis comme c'est dur. C'est dur, man, pour moi, être en relation, man. Puis comme c'est vraiment pas parce que j'aime trop les femmes aussi. Ça, c'est juste parce que je suis compliqué, man. Je suis un gars compliqué. Mais en même temps, tu peux laisser la bonne fille aller à cause de ça. Tu dois savoir quand t'as... J'ai laissé plein de bonnes filles aller, man. Comment c'est ça? T'as aucun regret. Mm-mm. Damn. OK, toi, t'es comme sans ça. Sans pression. I'm good solo, man. Yeah. Peut-être, moi, j'ai dit je vais me marier. Peut-être si je me rends à 60, 65 ans, je vais me marier dans ces... C'est là que je vais chercher la femme à marier. Pas tout de suite. Get straight up. S'il faut que je me marie, je vais me marier plus tard. La petite femme de 30 ans, là. Yo. C'est son de la petite jeunesse 28 ans là. Yeah. Ok, fait que c'est ça. Fait que ok, you're gonna be a bachelor. Yeah, non, je suis pas un bachelor, mais comme mes enfants et ma musique prennent beaucoup de mon temps assez que comme j'aime. C'est dur pour moi de donner comme du extra time à. Une relation, man, c'est comme si... Mais ta relation la plus longue, c'est sûrement avec la mère de tes enfants, là? 17 ans. 17 ans? Quand même, dire que t'es pas un gars de relation. OK, 17 ans, c'est real, ça? Fait 17 ans, yeah. OK! C'est pas un gars de relation, c'est... T'as un ressentiment par rapport aux relations, on va dire ça comme ça. J'ai fait 17 ans, man, là, comme à... Puis comme j'ai eu 3 enfants avec cette femme-là, ouais, puis ouais. Comme... J'ai juste comme... Je trouve qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de relations, comme même du monde qui se marie, puis qui se divorce, puis comme, comme, ça, des fois, je trouve que comme, yo, faut que ça soit solide, tu sais, comme, souvent, je vois des nouveaux mondes en couple, I don't believe you, man. Yo, des personnes qui sont en couple à chaque année, moi, je crois pas. Moi, je crois, le temps va me le dire. Moi, je crois pas aux nouvelles relations. Ok, c'est bien vous, mais. Je crois pas. Il y a un panneur de en pandémie qui a. C'est trop dur aujourd'hui. Il y a trop de tentations. Il y a trop de raisons. Il y a trop de choses qui font en sorte que, comme, qui peuvent rendre un homme insécure, une femme insécure. Il y a beaucoup de. C'est comme. Instagram, les photos des femmes. Instagram, toutes ces affaires-là. C'est fou, ça. Aujourd'hui, là, comme, être en relation, c'est. Je trouve, c'est.
C'est dur, man. Puis comme... c'est ça. Moi, je suis pas tant pour ça, man. Toi, c'est voyer, puis ensuite... Non, non, puis voyer, maintenant, je t'ai dit dans le temps, c'était ça, G. Puis maintenant, c'est plus la fois de voyer, puis c'est fini, là. Tu sais, comme j'ai pas eu beaucoup de blondes dans ma vie, là. Je pense que j'ai eu peut-être 4 blondes, man, dans ma vie. Ou 4, 5 max. Puis mes parents ils ont vu peut-être une ou deux de mes blondes dans leur vie, tu sais. OK, OK. C'est, fait que je, comme, c'est comme ça que je vis, man. Mais t'as toujours quand même quelque chose dans les parages, si jamais t'as besoin d'affection. Un bas cuisse. C'est ça, OK, c'est ça. OK, c'est correct, c'est bon. C'est bon, OK. Je sais pas de quoi tu parles, bro. Mais c'est comme ça qu'il reste sans pression. Ou sous pression, ça dépend. Yeah, des fois, c'est sous pression, man. Ouais. Straight up. Non, mais c'est comme, être en relation, c'est ça aussi, je trouve, c'est une discipline, puis... Mm. Puis aujourd'hui, je trouve que pour le monde que je connais, c'est des fois, il y a trop un manque de communication. Puis comme, comment les relations se font aussi, comment tu rencontres la personne et tout, je trouve que c'est important. Puis aujourd'hui, comment ça se donne, là, c'est cyber love, man. C'est comme ça commence avec un « je like ta photo », puis après... Le DM. Mais comme, I don't know, man. Comme je t'ai dit, I'm old school, man. Fait que t'as pas de chat game comme ça, genre. Non. Non. Pour vrai, je vois des gars qui perdent leur temps à chat des femmes, là. Comme moi, je comprends rien. Moi, je suis pas capable de répondre une phrase. Je suis pas capable de répondre, là, comme. C'est 2-3 mots d'attit, là. Yo, comme t'es si sous ça ou pas, c'est ça? Non. T'es sous ou pas? 2-3 mots à vider. Mais pourtant, t'es un écrivain, bro. T'es censé être capable d'écrire. Non, non. Parce que quand tu commences, ça finit plus. Yo, c'est quoi tu portes aujourd'hui? Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi je peux pas. Comme il faut que je puisse savoir comment tu vas, ta journée. I don't care about this shit. T'es down puis ou pas? Je suis pas, non. I have to know your name? Non. Oh, you have a job, I need to hear. T'abuses. I want your name. Oh, I don't care. T'abuses. Mais même si t'es un gars social quand même. Social, ça dépend, man. Je fais attention, man. Parce que j'ai appris qu'il faut faire attention à qu'est-ce que tu dis, comme quand... Surtout quand t'es connu, ouais. Ouais, fait que, comme même dire mon opinion à ce temps, comme j'essaie de pas trop, comme des fois, je teste l'intelligence de l'homme juste pour voir, comme sur mon Facebook, des fois, je dis des pensées qui me passent par la tête juste pour voir, tu sais. Mais des fois, je vois que comme ça backfire, là, C'est comme l'autre jour, j'ai posé une question, j'ai juste posé comme, est-ce que tu serais capable de mettre les souliers à François Legault pendant une semaine? Yo, man. On t'a juré pour rien. On m'a juré, man. Yo, pour vrai. Donc, quand il y a tes pros, la caque, man. Non, mais des fois, tu fais, je décide des commentaires comme ça, faire les gens parler, puis you step away. J'ai appris ça de KK, comment faire ça. Ouais, des c'est fois, cool. Tu sais, quand même, on comme ça. J'ai appris lui pour créer la mort. Ouais. KK est good, man. Yeah, il est bon là-dedans. T'envoies une question, tu laisses les gens parler, là. Tu t'occupes même plus, là. C'est comme I did my job. Puis entre eux, ils sont en train de. Ouais, c'est ça le truc, hein. Je mets la fin, ils sont en train de tuer, je crois. Ouais. C'est pour ça qu'il y a du monde. L'internet c'est pas bon pour eux parce qu'eux s'ils laissent ils donnent leur opinion comme tout ce que le monde vont répliquer ils vont le prendre perso comme pis ça il a fallu j'apprenne vite à pas être comme ça parce que ça a commencé dès le début ça comme fait que si j'aurais laissé comme le monde comme j'aurais jamais fait de musique straight up comme j'aurais même pas fait de musique si j'aurais écouté tu sais parce toujours là, ça. On va parler de pointe sur les réseaux. Si on call out ton name, tu vas-tu répondre? Parce que j'ai une situation avec Elgara, je pense. Non, man. T'as une situation avec quelqu'un? Elgara, le rappeur. Non, man, parce que je vois pas le rapport. C'est comme, des fois, je comme... Leur combat, c'est pas mes combats. Tu vois, aujourd'hui, le chacun a ses combats. Tu vois, il y a du monde... Il y a des choses sont importantes pour eux. Puis moi, pour moi, ça a zéro importance. Ouais. C'est comme j'ai des choses comme vraiment plus importantes que comme
l'argent, puis comme les femmes, puis comme je suis le king. Moi, c'est comme, je respecte ça, puis je respecte ce grind-là, mais comme c'est pas mes c'est pas on n'a pas les mêmes combats, on n'a pas les mêmes, peut-être les mêmes valeurs ou les mêmes principes. Fait que comme, mais c'est ça aujourd'hui, les jeunes, puis comme j'en ai des jeunes dans mon entourage que vous êtes comme sont sous ça, puis sont ces vibes là, puis comme j'ai beau leur parler, ils en ont rien à foutre là, ils ont du cob là, c'est ça, ils flashent bien plus que moi là, puis comme c'est all good, man. Sauf que tu peux impressionner ces filles là puis ces eux autres, mais moi, mais comme nous, swear to God, bro, quand je sais qu'est-ce qui vient avec, puis c'est comme j'ai déjà rock beaucoup de jewels, beaucoup de jewels là, puis comme c'était pression tout le temps là. C'est quand j'étais dans des parties, des fois comme des parties un peu street, c'est plein de jewels là. Tu peux pas marcher de la même façon, là. Les stick up kids. Tu peux pas marcher du tout de la même façon. Puis j'ai appris vite, ça. Puis comme j'ai pas aimé ça. J'aimais les jewels, j'aimais un peu ça. Non, mais comme, ça, c'était trop inutile pour moi. Puis comme, c'était trop show business pour moi. Fait que, j'suis un gars, comme j'ai dit, I'm a free soul. J'aime pas comme être obligé de me sentir comme yo. T'sais, parce que là, après ça, il faut que tu fais d'autres choses pour protéger. Si t'es pas avec tes goons, mais il faut que t'aies d'autres choses. Pour ça, protéger. D'autres choses, ça arrête plus. Mais là, c'est comme, nah, man. You know what I'm saying? Mais un autre point, parce que lui, il dit, il n'y a pas le temps de draguer les femmes et tout ça, mais il a le temps de spam sur l'Internet. Lui, every day, I think, we get an email from you. Yeah, that's it. Toi, t'envoies des bails. Les jeunes, ils font plus ça. Là, les gens font plus ça. Que quand ils sortent un clip, ils vont pas commencer à partager avec plein de personnes. They just share it. Tu peux partager every day, puis les people are gonna see it. When you start inboxing 100 people, people don't do that anymore. Yeah, moi j'ai mon team avec moi. Je le fais, mon team le fait aussi. Puis comme je donne le feu vert à mon team, fait qu'ils savent qui qu'il faut taguer, quand qu'il faut taguer. Puis moi quand je suis sur les réseaux, je le fais aussi. Yeah, je le fais, puis j'aime. Comme je le fais moins qu'avant, sauf que comme le monde me pousse pas autant, comme tu vois, moi je suis là, fait que je dois laisser le monde savoir qu'est-ce qui se passe, parce que le monde, des fois il y a du monde qui, ou bien ils me disent que je les tag pas. Il y a du monde qui aime ça, quoi. Ouais. Il y a du monde pour vrai, il y a du monde important qui aime ça en plus. C'est pour ça qu'ils m'encouragent de pas arrêter, parce que j'ai beaucoup de plugs à travers ça. Parce que toi, t'as pas le budget pour payer une compagnie de communication. Oh, on a le budget, man. Mais comme y a rien de mieux que l'artiste qui pousse ses trucs. Comme t'as beau avoir n'importe quelle compagnie qui fait n'importe qui puis payer du monde, y aura rien de plus fort que toi quand tu le fais. Comme tes fans, ton reach personnel. Même, on a le budget pour ça. Y a Bohima qui travaille pour nous, puis on a du budget pour ça. Okay. Sauf que moi, je suis une machine à moi tout seul. Tu comme, à chaque jour, j'ai comme 8 comptes de toutes sortes d'affaires, même des choses qui sont pas hip-hop, mais comme je garoche un peu partout, you know what I'm saying? Puis j'ai pas juste l'hip-hop, il y a d'autres choses, c'est fuck yeah, man. Durant la COVID, t'avais ouvert, je pense, un magasin, un store? Yeah, j'avais ouvert un magasin, j'ai fermé ça, man. Puis t'avais écrit un code pour, ah ouais, vous êtes toujours là à dire ouvrez vos affaires et tout, mais quand c'est le temps de supporter, vous êtes pas là! Ouais, c'est vrai, man. C'est encore ça aujourd'hui, man. C'est comme, c'est un peu ça, moi, comme, tu sais, j'adore Montréal et tout ça, mais comme pour vrai, quand si j'ai un choix à booker, c'est pas Montréal que je veux booker. Tu comprends? C'est parce que j'adore Montréal. Montréal, ma pipe au Montréal. Mais comme si j'ai un choix à booker, être à Montréal, c'est comme, le support est pas là, ou peut-être, il y a peut-être trop de compétition, il y a peut-être trop de groupes, ils sont trop habitués. Ça fait trop longtemps que je suis là, peut-être, mais comme, tu vois, c'est un peu ça, yeah, man. Normal, ça. Yeah. Yeah, I did have something now, but I lost my train of thought there. Ta question à toi, mais je vais poser d'abord. T'as fait des pubs pour McDo? Yeah, j'ai fait des pubs pour McDo. That's some corporate money right here, man. Ouais, pour vrai. Puis cette affaire-là, c'était fucked up, parce que quand je suis arrivé... pour le c'était comme... Il y avait beaucoup de groupes qui avaient eu la plug, tu vois. Ouais. J'étais un des derniers à avoir la plug, puis j'étais arrivé là, puis comme il y avait une couple de partenaires qui étaient là, je pense qu'il y avait Dom Matic, puis une couple d'autres personnes, puis comme
Je me rappelle, j'avais regardé mon panier, je dis, yo, McDo money, that gotta be good. Mm. Et puis comme j'étais comme, yo, I'm taking this one. T'sais. Fait que là, je suis rentré là, puis il m'avait donné un lyrics qu'il faut que je chante. Mm. Puis j'ai tout changé le lyrics, man. Oh, wow! J'ai tout changé là, ce qu'il avait écrit sa feuille, mais comme, le gars était comme, yo, fais pas ça, il faut que tu fasses ce qu'il dit. Non, man, non, non, I got this. Whatever, j'ai spit mon shit, puis j'ai eu de la gig. Puis tu sais, puis comme... Ça, c'était bon parce que ça allait pas trop chill dans ce temps-là. Puis comme c'était juste avant Noël, you know what I'm saying? Mm. Fait que j'étais arrivé, j'ai acheté plein de shit pour les Timon et tout ça. Mais quand j'ai su combien que Justin Bieber avait eu pour la pub... Là, t'étais fâché. J'étais pas comme fâché, j'étais juste comme... Yo, c'est pas man. Comparable, ouais. C'est pas comparable. Le marché anglais moi, aussi. Si je peux comparer, j'avais eu peut-être 20K. Puis lui, il avait eu peut-être comme... 25 millions. Straight up! Yeah, mais c'est Je croyais pas qu'il allait être that crazy. C'est yeah, ça! Man. Parce yeah, que man. Yeah. Puis tu sais quoi? Ma pub que j'avais faite pour McDo, parce qu'il avait fait la campagne à travers le monde, c'est coté comme... Je pense que c'était coté la troisième meilleure. Worldwide. Tu sais quoi? I took what I had to take, man. Même si n'importe qui d'autre aurait eu le contrat, ça qu'il aurait donné au Québec. Mais c'est vrai que t'as une bonne voix. Tu devrais rentrer pour essayer de faire des voice-overs, des trucs. Je pense que t'as une voix quand même qui stand out. Yeah. Tu pourrais faire des trucs avec ta voix. I could try that shit. Ouais, des cartoons. Ouais, t'as déjà... Pas la fin de mascotte. Hey, ah ouais, viens ici, toi! Non. Allez, viens prendre du ballon! Mais Bart Simpson, il pourrait... Je le verrais dans un personnage dans Bart, genre. Peut-être. Il y a quelque chose comme ça. il me semble que t'avais travaillé avec les jeunes aussi. À un moment donné, tu travaillais j'ai oublié c'était dans quelle période, mais t'as travaillé avec les jeunes à un moment donné. Tu faisais quelque chose, je sais pas si c'était un after school program ou at school atelier, c'était des ateliers d'écriture, ça? Ouais, c'était comme on apprenait aux jeunes à s'exprimer à travers l'écriture. Mm-hmm. J'ai fait ça longtemps. J'ai fait ça longtemps avec Comna, puis comme on allait surtout dans les écoles problématiques, tu sais, avec des jeunes qui comme avec des qui avaient des backgrounds quand même assez deep, tu sais. Mm-hmm. Fait que, yeah, man, c'est comme c'est l'écriture, moi, comme ça fait beaucoup pour moi, tu sais. Fait que comme c'est facile pour moi comme d'expliquer ça à un jeune, tu sais. Fait que comme je sais pas, man, je fais ça encore aujourd'hui. Puis comme si je peux changer un jeune, il y a des jeunes que après ces ateliers là jusqu'à aujourd'hui, ils ont jamais arrêté, tu sais. Puis que comme ça leur a sauvé leur vie aussi, tu sais. Comme fait que yeah, man, comme j'ai dit, je fais pas de la musique. Je fais de la musique en premier pour moi, mais comme si ça peut aider du monde, c'est comme I'm gonna leave something. Moi, c'est comme c'est ça le plus important pour moi, c'est de laisser de quoi, comme laisser de quoi avec ma musique que comme tu vas écouter ça plus tard, man. Ouais. Peut-être là sur le coup c'est pas le vibe, mais en réécoutant plus tard, tu vas comprendre. Yeah, maybe en l'écoutant plus tard, tu vois, quelque chose va sortir, tu sais. C'est comme... Des fois, je fais le test, je vais réécouter une chanson old school comme du nouveau era, là, comme... Puis, nouveau era, là, comme le... Au vrai old school, on s'en rappelle, hein. Ouais. Mais le new old school, là, je te dis, G, c'est dur de t'en rappeler, man. Des nouvelles tracks qui sortent. Non, là, tu sais pas. C'est dur, là, t'en rappeler, parce que... Il y en a beaucoup qui sortent, là. C'est dur de te rappeler, bro. Mmh. C'est vraiment dur, là, comme... Puis c'est là que tu vois que, OK, mais c'est pas juste la musique, c'est nous autres aussi, le consommateur, puis comment la musique se fait aujourd'hui. C'est pas juste à cause que le rap est comme ça ou que parce que ça a changé, c'est... Tout a changé, G. L'industrie a changé. L'industrie a changé, puis la musique, c'est plus pareil. Ça se fait plus de la même façon, fait. Comme le monde consomme pas de la même manière. Les chansons sont rendues à 2 minutes et demie, G. Mmh. Ça va descendre jusqu'à quoi? Si les chansons sont rendues à 1 minute et demie, G. 30 secondes. 30 secondes, le track, le hook, tu fais le hook, puis comme. Fait que, yeah, man, moi. Même moi, je réduis mes bars, puis comme, c'est bizarre, mais comme je suis comme.
I guess it's easier, man. T'sais, je fais une track, puis comme... T'es moins de travail qu'avant. C'était quoi beaucoup la... moins. Mais c'était quoi la peur back then, toi, en tant que spitter, puis écrire dans un rhyme book, puis tu perds un rhyme book? C'était quoi? C'était pas ça? C'était pas une peur fou, ça, back then? Ouais, j'ai perdu au moins deux ou trois rhyme books. Ça doit être fou, ça. Ouais, t'as des gros rhymes que t'es comme... Ah, shit! Pour vrai, j'ai ça. Quand je perds un rhyme book, je fais une psychose mentale. T'avoues? Ben, mentale, man. Ça doit être fou, ça, mental. Puis maintenant, tu peux le mettre sur ton ordi, sur ton phone, ouais, dans ton email. Maintenant, ouais, avant, c'était, c'est ouais, lance, c'est lance. Ouais, mais je trouve que quand je trouve qu'écrire sur une feuille, c'est plus, c'est plus deep qu'écrire sur un téléphone. Moi, je trouve qu'écrire sur une feuille, là, c'est comme quand je parlais de la voix tantôt, man. C'est comme quand j'écris sur, quand j'écris sur une feuille, c'est sûr que tu, comme j'aime voir mon écriture, man. Mon écriture, c'est mon empreinte digitale. Puis comme c'est mes barbeaux. Je pèse pas d'un bouton d'élite. Ouais. Comme moi, j'aime voir ma feuille comme j'aime ça voir mon verse finis. Puis des fois, je les écris sur un téléphone. Puis tu sais, c'est quoi le pire, G? Tu perds tes téléphones. Non, bro. Je vais prendre le téléphone. Avant de rentrer en studio, je prends le téléphone. Je l'écris sur une feuille. Wow. Ah ouais? Un vrai feeling. Je l'écris sur une feuille. Ok, t'écris. Yo, des fois, j'ai de la misère à écrire tellement que j'écris plus, là. C'est ça, à vous, hein? Moi, comme... je prends mon téléphone. Je suis bon sur le clavier, sur le téléphone. Tu vas jamais me voir à... comme. Je vais... Même s'il est écrit, je te dis. Comme quand je l'écris avec ma feuille, comme on dirait, j'écris mon flow aussi. Même si c'est pas écrit de même, là, mais comme. Là, c'est dans ma tête, là. That's crazy. Fait que, comme, c'est... Je me rappelle, j'enregistrais avec la track Territoire Style avec Démon, Tizo. Puis tous les gars qui bandent. Ah, le remix, yeah. Avec les partenaires, puis comme... Les autres écrivent sur le spot, en général. Tout le monde écrit sur le spot, sur leur phone. Yeah. Yo, mais cet effet-là, yo. Je sais pas si t'es Tizo ou un des partenaires, il était comme, yo, Espy, t'écris avec un crayon, j'ai sur une feuille, j'ai... On rit de toi, t'es comme, what the... Yeah, les gars, rient de moi, man. Puis j'étais comme, yeah, man, yo, it feels better to me. C'est comme ça. Moi, c'est comme, c'est important, c'est yeah. Mais c'est bien de voir les nouveaux gars, mais ils sont plus nouveaux, mais tu sais, les youngins donner, partager leur lumière avec les gars qui étaient là avant eux. Je pense que c'est bien. Mike Zop aussi, l'a fait, il a pu mettre toi et Ticket sur un track en plus. Même si vous ne vous parlez pas, est-ce que tu savais qu'elle allait être sur le track quand tu as enregistré la chanson ou tu ne le savais pas? Non, je ne savais pas. C'est ça, Mike Zop a bien fait ses affaires. Il a eu dit, tiens, spit sur ça, yo, t'inquiète. T'as spit. Après, il a dit à l'autre, juste spit sur ça, t'inquiète. Il l'a bien eu, là. Mais tu le savais avant que ça sorte ou c'est quand c'est sorti que tu l'as entendu le final? Moi, je l'ai su comme, c'était déjà comme out. C'était comme, c'était déjà comme la date de sortie. Ouais. J'ai su de même. Ok. J'ai entendu la track, le message était comme quand même positif. Ouais. Les Timons sont en train de se kill dans le street en ce moment. Ça montrait que même si deux partners ne se parlent pas, ils peuvent faire de quoi. Puis c'est comme ça que je l'ai pris. Ok, tu l'as pris quand même positif. Ouais, je l'ai pris d'une manière positive, puis j'espère que les jeunes ont vu ça comme. Même si les jeunes, c'est que ça leur rentre par un bord, ça sort l'autre bord, mais c'était un peu ça le message qu'il fallait passer. Puis c'est encore chaud là dans le street. Il y a des petits mondes de 15 ans qui se pop là. Yo, comme for real, c'est yo. C'est chaud, mec. C'est fou, ça. Yo, parents, prenez soin de vos enfants, man. Il faut bien man, les encadrer. Laisse pas traîner ton fils, c'est ça. Ça veut pas qu'il glisse. C'est ça, exactement. Ouais. Bien dit. What else now? C'est sûr, il va y avoir beaucoup qui vont se donner sur Patreon. Mm-hmm. Sur Patreon, on va le laisser prendre des shots et tout. Mm-hmm. Je voulais qu'il reste posé YouTube. Pour le YouTube, pour mais vous, pour guys. Le Patreon, ça se passe. Vous savez, SP peut être gaillé quand c'est le temps. Mais là... Est-ce que moi, c'est un autre bail. We munch. Il y a le Fanta. Y a le Fanta, ça peut être... C'est quelle sorte, ça? Tropical, cool. Champ cool. But shout out. Yeah, we munch. We munch. Laval, exactement. Laval. Yeah, so what else? I think on a quand même bien documenté le talk de Sans Pression.
Je vais le voir si j'ai des affaires à la fin. Fait que tu cuisines quand même, là. That's how you bring yourself, so... Mais you make, like... Tu sais faire de la bouffe congolaise? Yeah, un peu. Je suis capable de faire des trois affaires. Comme pondou, enceinte. Des trucs comme ça. Même pondou, temps. Peut-être pas, mais je suis capable de faire une bonne sauce. Je peux peut-être faire un petit foufou comme ça, ici, là. Un poulet, you know? Je fais une coupe d'affaires. Mes enfants aiment ma bouffe, c'est ça qui est le plus important. Ah ouais, c'est ça le plus important. Yeah, tant que mes enfants sont contents, I guess I could cook, man. C'est quoi le concept bouffe en chum? Yeah, c'est ça. Hein? Yeah. Yeah, bouffe en chum, c'est un petit concept, c'est un genre d'émission à la souper presque parfait, mais comme un peu plus hip-hop, un peu plus street. Puis comme un peu moins sérieux. Fait que comme c'est on parle de l'actualité, la musique, puis comme c'est juste la bouffe un peu. Puis c'est un petit concept qui va sortir à la fin du mois de janvier, premier épisode. On est en train de travailler sur ça. Tu sais, je veux pas trop it's in work in the progress, you know. And I could have y'all come through and cook some shit, man. You know what I'm saying? Tu cook, toi? Yeah, yeah. On va faire un live, ouais. I'm down. Kéké, tu cook, Kéké? Non, moi, je suis pas trop fort. You know what I'm saying? Fait que, yo, je suis en train de travailler sur une coupe d'affaires. I'm down. Yeah, man. Dope, yeah, man. Yeah. Dope. C'est toi qui fournis la bouffe and I just cook it? Yeah. Tu dis qu'est-ce que t'as besoin comme ingrédient? C'est tout le monde qui veut participer. Straight up. C'est toi qui fournis la bouffe, là, les animaux. T'as fait un tomahawk? Il va pas dire bouffe en chum. Tant qu'à y être. Mais non, on verra rendu là. Yeah, checker pour ça, pour vrai, bouffe en chum. Mais comme pour vrai, là, je suis en train de work sur le prochain album. Je sors un album cette année. Là. Oh, wow. Comme là, je sors un album cette année, peut-être même deux, man. OK. I'm going in. Comme pendant le confinement, j'ai travaillé sur un paquet de projets, you know what I'm saying? J'ai même été dans la forêt avec Christophe Martin, enregistré un album avec Christophe Martin dans le woods. Ça, ça a donné quelque chose de spécial parce que j'ai écrit les tracks. Il y a une certaine track que j'ai écrit complètement dans la nature, puis ça a juste donné. Des fois, c'est bon pour vrai sortir de ta zone de confort. Ouais. Pour inspirer d'autres choses. Ouais, comme ça a donné quelque chose de nice. Sinon, c'est ça, la tournée des Premières Nations. J'attends que le COVID et toutes ces affaires-là, ça se calme. Je vais faire le tour des communautés autochtones partout au Québec. Comme ça, je vais essayer de passer comme entre 4 et 7 jours sur chaque réserve. Moi, ouais, t'es bien connecté. Prendre leurs problèmes, puis essayer de les aider. Puis leur montrer qu'on pense à eux. Parce que pour voir, des fois, les gars sont loin, puis comme c'est... Ils ont besoin de savoir que du monde qui pense à eux. Yo, t'es bien loin, là. Puis l'accueil, c'est nice. Puis comme, c'est un autre vibe. Fait que moi, ça les aide, mais ça m'aide moi aussi, man. Comme, ça m'aide aussi d'aller dans les communautés. Puis comme... T'as rencontré des Pocahontas? Non, man. J'ai pas rencontré de Pocahontas, man. Comme quand je vois... Je suis pas, mais... Yo. Quand moi j'aime bien le featuring que t'as fait avec Samian pour son chien. Yeah, je me souviens, man, ce track là, man. Shout out à Samian, man. Yeah, he's a good one. Lui aussi, j'aimerais l'avoir. Rap. Oh my god. Non, mais quoi, le problème? Quand le problème? Je sais pas pourquoi. C'est une question légitime, il va souvent là. Pour Pocahontas ou quoi? Il va là, il peut. Donc, j'adore la culture autochtone, j'adore leurs traditions, j'adore comme le mode de vie. Souvent le monde vont penser juste au négatif, c'est comme le tout ce qu'ils connaissent des autochtones, c'est ça, faire stéréotyper, en fait. Stéréotyper au max, man. Ouais. Puis comme c'est comme ça, puis leurs problèmes sont dus. Beaucoup de leurs problèmes sont reliés à la colonisation, puis tout ça, sauf que ça, on veut pas en parler, you know what I'm saying? Ça, on veut pas parler qu'en ce moment, on est peut-être sur une tombe, un cimetière autochtone right now. Surtout les affaires de Pozzona qui commencent à sortir. Tu comprends ce que je veux dire? Un peu à travers au Canada, puis c'est mais fou. Mais ça, là. Après ça, on va me dire à moi de retourner en Afrique quand on est sur des terres volées. Wesh! Fait que... Wesh! Je vais laisser ça là, you know. Straight up. Sinon, je vais commencer à m'enflammer ici. Straight up. Pour Patreon. We'll let it go on that. Let it fly. Damn.
Moi, je suis bon avec ça et moi, je suis prêt à donner mes shout-outs. Yep. Donc, gros shout-out. Montreal Urban Music sur Instagram, Librairie Racine, Montréal, Centre-Sud 125 D-Town. Big shout-out to Mystique et Victo. In Vivo Photo Booth, Dualité, Mac 47, ConceptionLogo.com, J Magistrat Saints, Dopemore, Jonathan Breton, Elijah Gabriel, Service Financier, JP Rainville Inc., Youngin, Brittany Walker, sorry, James Smith, Kevin Pierre, Steven, Greg, Let Me Cut Your Hair, Meduse Mastering, Mike Zup, YFX, LP, EmpireDurag.com, L'Atelier Duo de Chef, Simon Bourque, DJ Flash, Nibi704, Zelax, Jivoire.com, Jonel Graphiste, Bugsy STL, JDMD, L'Autre, Young Self et Alex. Gros shout out à tous les ministres, prêtres ministres, allez sur patreon.com/rapolitique. That's what's up. On a une légende de la game ici, sans pression, SP. Merci beaucoup, man, guys, man. Gros, gros love, KK, Cyrano. Souverain pontif. Donc, c'est un gros love, man. Gros shout out à mes trois enfants. Moi, je commence par mes kids, man. Parce que si c'était pas pour eux, for real, je serais pas assis ici. Je vais commencer par eux, la baby moms. You know what I'm saying? J'aimerais dire à tous les gars, man, vous avez une baby moms, gardez-la contente ici. Surtout si elle a la garde de tes enfants, G. Garde ta baby moms contente. Parce que si ta baby moms est contente, souvent les kids, quand même, les kids vont être belles. You know what I'm saying? Fait que ça, c'est important. You know what I'm saying? Après ça, je vais donner un shout-out à mon team KM Production. You know what I'm saying? Tous les gars, ils savent son qui, man. Ils travaillent fort tous les jours. You know what I'm saying? Puis sinon, c'est comme everybody qui me supporte, man. Le monde qui me supporte, ça, je commençais à rapper en 1991, man. You know what I'm saying? Les choses sont devenues sérieuses en 99. Puis comme aujourd'hui, je suis juste content d'être encore là, repose en paix, Don Carnage, man. Donc c'est un Don Carnage, comme j'ai dit, tu vois, ça c'est un bon, man. Heaven got a good one, man. Heaven got a good one. Rest in peace, Joe BG, Infrag, Voyou, tous les MC, man, qui sont partis. La Rock, l'Instigat, you know what I'm saying, Snagashi, man. Non, on sait jamais qui va être next, man. C'est ça. C'est comme, je dis souvent ça au monde, c'est comme, yo, bro, c'est bon avoir des projets à long terme, pis c'est bon avoir ci pis ça, mais pour vrai, profite de chaque minute, comme, pis en profiter, ça veut pas dire te péter pis comme faire le fou. Profiter, des fois, c'est juste comme à regarder le ciel pis comme, à regarder un arbre, G. Ou whatever, G. Tu sais, comme, nos enfants sont pas élevés comme nos enfants sont élevés comme des enfants d'ici, tu comprends? Comme ça se peut que tu sois dans un CHSLD demain, G. Comme est-ce que tes enfants vont vraiment prendre soin de toi, G? Comme c'est real ces affaires-là, tu sais, comme tu sais, fait que moi mes enfants, j'espère qu'ils vont prendre soin de moi, tu sais. Moi je veux pas finir dans un CHSLD. Peut-être qu'il y en a des bons CHSLD, moi je veux pas finir là-dedans, G. Généralement, c'est des filles. Ah, moi, je suis un black chialeux, bon, man. Puis le black chialeux, là, je vais être un problème. Ils vont me calmer, man. Il est fatiguant, lui, là. Non, ça va être pire que ça, man. Ils vont me calmer, tu sais. Fait que moi, j'ai pas goût d'être dans... Comme je vais pas mentir, l'hiver, là, ça me, c'est comme, plus que je prends de l'âge, plus que je comme, yo, je peux pas rester ici trop longtemps c'est encore. C'est dur, l'hiver. Time to go back to Africa, my friend. C'est commence à être temps de retourner, G. Le problème, c'est que si je retourne en Afrique, moi, je suis pas africain pour eux, là. Non. Mais il y avait pas une tournée de show en Afrique? Oh, j'étais supposé. T'as jamais été avec. Non, Tikid y avait été. Ok, ouais, toi, t'avais autres. Pas okay, été. Ouais, c'est vrai. Au Sénégal, ils sont allés. Ouais. Toi, t'étais là. Crowd est allé, c'est là que j'étais, ouais. Ok, je pensais que t'avais été, ok. T'es resté combien de temps au Sénégal? Un an, G. Yeah, c'est real. C'est real. Ouais, Crowd est allé, on avait parlé de ça. Il a vraiment aimé son expérience aussi. T'as-tu poigné des Sénégalaises, man? Ah, yo, bro. T'as-tu pété une Sénégalaise? T'as-tu comme taillé? T'as-tu taillé une Sénégalaise? Le silence, c'est une réponse. Non, t'as voulu aller. Mais qu'est-ce que tu penses? Non, bro. J'ai fait un an là, c'est ça que je veux dire. Quelle? T'as taillé une Sénégalaise?
Yo. Yeah. Grand frère reprend le dessus. It's all good, man. Yo, I just wanna, I'm just... Bro, trust me, c'était vraiment nice. Puis souviens-toi, c'est polygame. Fait oh, que là, c'est polygame. Là-bas, toi? Là, comme c'est normal, là-bas. Il swerve. Mais si, swerve, si, mais si, ça, si moi, je comprends, man. Si t'es musulman, tu peux être polygame. Si t'es chrétien, techniquement, t'es pas censé. Mais t'es chrétien ou t'es musulman? But, je me suis pas marié là-bas non plus. Là. Mais tout ça pour dire, c'est la mentalité là-bas. Moi, j'ai rien contre la polygamie, pour vrai. But ça se donne bien, like, you would love Sénégal. Comme... Je pense que c'est là que je vais aller, bro. Yo, pour de vrai... Pour différentes raisons, maintenant. Non, mais c'est plus posé, parce que c'est vrai que Congo, il y a des places, je sais que ça peut être, c'est très gang-gang à certaines places, là, il faut faire attention. Les Congolais, on est gang-gang, yeah. Ouais, ça brasse. Même. Ça brasse. Brazzaville, Brazzaville, exactement, ouais. Souvent, quand je vois un Congolais à Montréal, quand je vois un Congolais à Montréal, des fois, je pense qu'il est haïtien. Ouais, ouais, les traits sont très similaires. Les Congolais sont très haïtianisés. Bon, déjà, toi, t'es rentré dans la game, c'est après qu'on m'a dit qu'il y a un Congolais dans sa présence. C'est qui est Congolais? Créole, ouais. J'avais pas, j'ai dit, est-ce que c'est Congolais? Ben non. J'ai fait un atelier d'écriture, man. Je pense que c'était à Saint-Michel, G. Puis comme c'était la question de la journée, comme je rentrais dans une place, une école, j'étais, quelle école, man? Mais comme là, c'est que des Haïtiens dans le cours, man. Mm-hmm. Puis comme c'était tout dans les oreilles, il est africain. À vous, hein? Gros débat, là. Puis là, c'était le temps des questions, là. Puis c'est ça, la question, bro. Mm. Parce que dès ton nom, on le voit, on l'entend, c'est Kaminga, c'est pas... Non, mais même maintenant, au début, quand, on l'entend dans Étage Souterrain. Je vois la vidéo, whatever, je dis, le palais, il parle... Oh, il commence, Henri Bourra, ça, je sais pas, mais non, ça, son négligé, son négligé. Tu sais, c'est même nous-mêmes, c'est après des années, je pense comme 10 ans après, 15 ans après, j'ai su qu'il était congolais. Oh! Ouais, mais c'est comme ça, c'est comme... Si t'écoutes notre musique, c'est le français qu'on parle, le franglais, justement. Keb, toi, c'est un français keb, quand même. Le keb, il était mélangé avec un peu de tout. Ouais, fait que beaucoup de créoles. Créole, anglais. Le créole était présent. Grave, tu sais. Fait que, comme... Mais comme le jeune Sylvie, il m'a demandé ça, puis comme... J'étais quand même une pression pour moi de répondre. Hein. Mmh. Parce que le monde a avancé comme sur leur siège. Ça, où il est là. Je dis, oh, je suis africain, man. Puis c'est comme, il y en a qui ont fait comme, oh. Il y en a qui ont fait comme, oh. Ken. Tu sais, comme. Il y en a qui étaient déçus. Il y a des partenaires qui étaient déçus. Ah ouais? Ouais. Ken. Ouais. J'étais africain. T'es comme, non. Ah, yo, le parrain est africain. Mais non. J'étais comme, yo, guys, on est, mêmes, on est les mêmes, là. We just a bunch of black people out here, man. Don't worry, man. Arrange-toi pour aller au Sénégal. When the police see you, Sénégal, tu reviens sur Sénégal, c'était bon, là. Yeah, non, mais arrange-toi pour aller là. Désolé. Moi, je vais être là, bro. Mais c'est sûr que tu dois prendre des vaccins. Ouais. Avant d'y aller. Je sais pas si t'es sous ça, toi. T'es vacciné, toi? Je sais pas si t'es sous ça. Fait qu'on va aller sur Patreon sur ça. We are like that. SP, sans pression. In the building. Longue vie à sans pression. Yo, merci pour vrai, guys, man. Nice show, man. Rap politique for life, baby. Yes. Get it.